Ouais, par contre, ça les a pas modifiés, ils avaient modifié la fois dernière. Alors, reprenons. Donc d'abord, bienvenue pour l'épisode 8 de Loup-Garou, épisode 16 des podcasts. Tac, 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 tac. Ce soir, petit flashback par rapport à la semaine dernière. On fera le résumé d'ici quelques minutes, mais voilà. Et puis une partie avant de peut-être des vacances pour le mois d'août. On verra. Bref, résumé de la partie précédente. Un des joueurs n'était pas là, donc il a été un peu géré en ellipse. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans un parc. Ça s'est pas très très bien passé. Il y en a un qui s'est énervé et qui a commencé à tabasser sur les autres. Pas tout spoil, faut garder des trucs pour Xelal pour son. Et Ça avait commencé déjà à la fin de la dernière oui. séance. C'est ça. Mais voilà, ça a été joué, donc voilà. Ils ont réussi à s'en sortir et à calmer la chose. L'alpha. La chose. Et voilà. Merci du soutien. En gros, pendant ce temps, John, pas pendant ce temps, lui, il a regardé le combat, mais il est là. À la fin, il est parti. En disant oui, je vais vaquer à mes occupations. Les autres ont commencé à réfléchir et à cogiter de l'autre côté. Puis au bout d'un moment, ils se sont dit bon, bah, ça serait quand même pas mal qu'on retourne à la maison. Ils ont erré dans la nuit, et puis le lendemain matin, ils ont passé un coup de fil pour obtenir des infos auprès d'un ami de la famille. Comme Et ça. on a obtenu un rendez-vous aussi. Et vous avez effectivement obtenu un rendez-vous quand vous serez prêt. Toc tac. Et Et qui est-ce qui c'est. décide s'ils sont prêts? Eh ben, je pense que c'est l'alpha ou l'équivalent, en tout cas. Donc Colin. On allait partir assez tôt. C'est là où tu nous as dit qu'on ferait aussi les clans, les machins comme ça en fait. Oui, ça c'est de la RP, mais oui. Non mais d'accord, c'est pas le mec au téléphone qui a dit ouais, pour l'instant vous êtes pas prêt, on aura un rendez-vous quand vous serez prêt. Clac. Ah non, Ah non. Vous n'êtes pas prêt. You can see me. Oh non, ils ont discuté que Colin a demandé à cet ami qu'il faudra d'ailleurs trouver un nom. D'accord. Comment faire pour convaincre un loup-garou de le rejoindre? Bah le mec lui a répondu fais ci, Ah fais oui, ça, putain. quoi. Ah oui, c'est Voilà. ça qu'on doit faire ce soir. Oh putain, oh le boulet. Et voilà. Il a donné quelques conseils et à la fin, il a demandé quand Colin a demandé un rendez-vous, bah, il lui a dit attends d'essayer de choper le quatrième dans ta meute, ça sera plus pratique. Et puis si tu le chopes pas, bah, tant pis, on le fera avec les trois autres, quoi. Mais d'abord, mets en comment dire en priorité le fait de récupérer le quatrième et de ne pas le laisser aller au pur avant de venir faire la formation, quoi. Et puis il y a eu deux trois autres choses aussi qu'on a eu. On a eu un petit rituel sympathique qui va beaucoup nous aider nous et on va pouvoir se la péter. Et on a eu après on a discuté de deux trois trucs basiques sur le monde un peu occulte et garou mais de façon très simpliste quoi. Voilà. Du coup, alors là j'ai une question en tant que MJ. Comme je suis un peu le cul entre deux chaises entre la première et la deuxième édition, en général, quand je ne sais pas la nouvelle règle ou que je ne l'ai pas lue, etc., je prends par défaut le comportement de la première. Et donc, du coup, il m'est arrivé de faire des bêtises en fait et de ne pas avoir lu certaines règles. Et maintenant, je me rends compte que bah, y a des détails que j'ai oubliés et des choses qui n'auraient pas dû se passer comme ça si j'avais eu le temps de lire comme il faut les règles de la V2. La question c'est, est-ce que vous voulez que je fasse un errata et en gros on prend la nouvelle règle et je vous dis voilà, à partir de maintenant c'est la deuxième règle qui compte et enfin c'est la règle de la deuxième édition et on voilà on oublie un petit peu les scènes ou les quiproquos ou les petites comment dire les petites friandises que ça a provoqué dans les partie précédente, l'application de la règle numéro de la première édition, ou est-ce que non, je reste sur la première édition?
Bah, ça dépend. Toi, tu aimes quoi? Tu aimes jouer quoi? C'est surtout toi qui dois déterminer. Nous, on va te suivre, hein. On n'est pas des spécialistes de cette version, donc du coup, tu nous fais jouer ce que tu veux, hein. Bah, typiquement, par exemple, la règle de vos vêtements. Ouais. Bah dans la première édition, il fallait un rituel, mais maintenant, il n'en faut plus. Ah. C'est automatique, en fait. C'est automatique à partir du moment où vous avez une harmonie qui n'est pas trop haute. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, par exemple, voilà, je l'ai joué avec des rituels et ça vous a provoqué des petites scènes et des choses que vous avez dû gérer. Maintenant, dans les faits, si on applique la règle de la deuxième édition, bah en fait, vous auriez pas dû vous emmerder avec ça, quoi. Bah, je dirais deux choses, soit tu préfères la nouvelle édition et tu veux vraiment la faire et on se met là-dessus et du coup on va juste demander des points d'XP en dommages et intérêts. Parce que Ouais. tout le monde est d'accord Alors avec. le truc, le problème c'est que moi je voudrais bien, mais dans les faits, la deuxième édition, elle dit que les points d'XP, c'est les actions des joueurs qui les provoquent, pas l'action du Justement, MJ, tu ta, vois. ta, 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 ta. Bah justement, on a provoqué en faisant croire qu'on n'est pas de rituel alors que si, hein, du coup, on l'a Je provoqué. suis désolé, mais dans les règles, il n'y a aucun moyen que le MJ donne des XP. Donc Je voilà. demande la transition d'un juge, Captain. Alors, bah non, 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 c'est la réponse, elle est dans la réponse de Mi. Les joueurs se donnent des XP en dommages et Voilà. intérêts pour les ennuis qu'ils ont gérés. Exactement, ouais. Allez, 50 points pour Gryffondor en plus. Allez, hop, ça c'est cadeau. Est-ce que le MJ est un souci à gérer? Parce que ça ferait beaucoup d'XP pour les joueurs. Alors déjà, vous allez prendre des XP en moins si vous continuez à faire des références à Harry Potter sur ma chaîne, hein. J'aime pas Harry Potter. Non. Ah. Je dois bien avouer que j'ai zéro vu les films, je suis tout à fait d'accord, c'est de la merde. Désolé, je vais aller le dire. Les films, j'entends. Enfin, disons que je suis de la génération d'après, quoi, donc enfin, d'avant plutôt. Donc pour moi, c'est pour les gamins, quoi. C'est quand même une ode au népotisme et aux avantages contre nature. C'est-à-dire que le méchant d'une saga, qui, dans son objectif ultime, c'est d'être direct proviseur d'un lycée, ça va, quoi. Ouais, alors c'est pas vraiment le but de Voldemort, hein. Bah, c'est un petit peu comme. C'est là où il finit, hein. Enfin voilà. Du coup. Mon Dieu, c'est horrible. Oh, comment. On a quand même vachement dérivé du JDR, quand même. Voilà. Donc, tout ça pour dire, bah, c'est toi qui choisis, MJ. Ouais, clairement. Mais pour les points d'XP, par contre, c'est nous qui choisissons. Donc, on est pour. D'accord. Ouais, du Non, coup. mais moi je vote pour une nouvelle règle, de toute façon, ça. Ça Autant me dire, quoi. va. Ça me va, Ok. ça me semble plus logique, de toute façon. Bon voilà, il y aura peut-être des endroits où j'ai annoncé la règle de la première édition et où je me suis. Et j'ai revu ma copie après. Pas de Et soucis. donc je vous dirai. Voilà. Sinon, moi j'ai fait un petit peu de taf. Faut que je vous affiche des petites images. Ils vont bien. Alors, le truc, c'est qu'il y en a une tétra chier, mais voilà. Alors. Il y a celle-là, qui est moins bien que dans mon bouquin, mais. Et il y a celle-là. Alors, hop, on va cacher ça. Ah, ce qui te fait gagner et perdre de l'harmonie, c'est ça? Ouais. Et après, c'est les triggers. Donc, vous, dans votre harmonie actuelle, les seuls triggers qui peuvent déclencher, donc les triggers, c'est les gâchettes, quoi, ce qui déclenche les déclencheurs de votre rage mortelle. Et donc vous, comme vous avez une harmonie qui est à peu près qui est autour de 7 touches, la seule chose qui peut déclencher chez vous une rage mortelle, c'est les spécifiques de trigger. Donc voilà, donc si vous avalez du sang humain, enfin du sang humain, alors, sauf le vôtre, hein, on va considérer, bah ça vous fait vous transformer en super guerrier de la mort qui tue, qui veut tout tabasser. Donc entendre un loup ou un loup-garou hurler un soir de votre hospice, enfin, quand la lune est de votre hospice et dans le ciel, quand vous êtes la cible d'un pouvoir surnaturel, tac-tac-tac, si vous causez des dommages létaux à un de vos membres de meute. Sachant Même que... sous phase de rage d'Arisaker, hein. Ouais. Ah, pour le coup, ça compte pas parce que ça, enfin,
Ça, c'est des triggers qui vous amènent vers la rage. Donc, si, du coup, si tu y es déjà, ça sert un peu à rien, quoi. Mais, Donc, t'as pas le droit de te violenter entre membres, quoi. Ça commence mal, monsieur l'Alpha. Alors. Parce que techniquement, t'aurais dû te déclencher une crise supplémentaire en me tapant dessus. Claire. Alors, je considère que vous n'êtes pas encore un pack. Enfin, que vous n'êtes pas encore une meute. C'est comme les contrats précaires. Tu n'es pas officiellement membre de l'équipe. Pour l'instant, t'as un intérim à laisser. Je serais quand même tenté de dire que je suis pour l'instant son seul membre de meute. On est d'accord. Non, mais dans les faits, de façon spirituelle, aussi, vous n'êtes pas une meute. Vous êtes éventuellement une association loi 1901, si vous voulez. Tant que c'est pas le futur, ça va. Mais voilà, c'est tout. On est une association de fées, de gens qui se réunissent et font des trucs chelous ensemble. Voilà, vous êtes des potes qui promènent, mais c'est tout. Donc en dernier, les autres que j'ai pas dit... Celui sur le territoire, là, un loup-garou que vous ne connaissez pas... Ouais. ...met en doute la capacité de votre pack à faire ses devoirs. En gros, c'est une fois qu'on a un pack, on croise les purs, ils continuent à nous parler comme ils nous ont parlé jusque-là, on les éclate, enfin on s'énerve, quoi. Ouais. C'est l'idée. Je pense qu'un pur, il ira pas vous dire que vous, enfin, il pourra vous dire que vous êtes bidon, mais il vous fera pas chier sur votre territoire, parce que l'objectif que vous avez sur votre territoire est vraiment différent des leurs, en fait. Donc voilà. Mais après, ça, c'est être attaqué par un esprit né d'une blessure. Donc une blessure, c'est un endroit particulier dans les îles qui se, c'est une espèce de comment dire, d'endroit qui a été traumatisé en fait de l'île, et vous en trouvez par exemple dans des camps de concentration, dans des trucs comme ça, quoi, des trucs bien sympathiques, voilà. Et donc ce qui peut sortir de ces blessures là, c'est des esprits très 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 chelous, quoi, voilà. D'accord. Alors, je vous le dis à vous joueurs, mais vos persos sont pas encore au courant. Et après, il y a les dernières. Donc la toute dernière devrait t'intéresser, Colin. Mmh. Ah. Tu peux nous forcer à nous transformer en... Mmh. Ah, Kourout, c'est quoi? Gorui, c'est la grosse forme violente. Non. Donc, Kourout, c'est la rage, c'est la Death Rage, donc c'est la rage mortelle. Et elle a deux formes. La légère et la violente. À savoir que si vous... Comment dire, ces triggers-là peuvent vous amener vers cette rage mortelle, mais vous avez la possibilité de garder peut-être le contrôle et de flirter avec. Et donc vous tirez quelques bonus, mais vous ne sombrez pas complètement. Soit, comme la semaine dernière, le Colin, lui, il a pas frôlé le truc, il est allé plein dedans et il a pris la forme la plus ultime de rage, qui est la plus violente. Voilà, mais ça, c'est juste des trucs qui vous déclenchent. Et après, en fait, en plus de ce, il faut que vous choisissiez, que vous inventiez des déclencheurs pour votre personnage et qui sont uniques à votre personnage. Et qui correspondent aux bonnes et aux bloods que vous avez choisi. D'accord. Okay. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, hein, mais y réfléchissez. Deuxièmement, pour les changements d'objectifs, là, mm-hmm. Pensez à le faire en fin de partie et pas dans la semaine, quoi. Bah, je l'ai fait en fin de partie, moi, ça l'a effacé. Ça a tout remis comme c'était avant. Ah, bon, après. Ouais, enfin, ça c'est pas grave, dans l'absolu, si, le fait de le noter c'est pas grave, si c'est, voilà. Mais choisissez-le, je préfère qu'on prenne 5 minutes en fin de partie pour le faire, et qu'on le valide, plutôt que vous y réfléchissiez une semaine, sachant que je refuse des objectifs qui ne durent qu'une seule séance. C'est-à-dire que si vous choisissez à la fin d'une séance un truc, et que c'est résolu la séance d'après, je considère que c'est trop facile, et donc voilà. Au minimum que ça fasse 2-3 séances le réglage d'un objectif. Et de plus, il faut que vous ayez une part concrète dans cette
dans la résolution de l'objectif. Quoi. On... Ça vous va comme définition ? Ouais. Ok. Voilà, et donc du coup... N'hésite pas du coup à en proposer aussi, ou si tu en vois certains qui pourraient être bien... Nous, on les voit peut-être pas forcément aussi, si de temps en temps, tu en vois que ça peut être intéressant aussi. Ouais, mais il y a aussi le truc, c'est que ne pensez pas que ça peut être des objectifs que pour la meute, et ça peut être des objectifs pour votre gueule aussi, mais par contre, ça veut dire que vous allez devoir jouer cavalier seul pendant la partie, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez chercher un appart comme objectif, bah, vous me dites, bah moi, je suis pas mes collègues, je vais faire les petites annonces, etc., et je trouve un appart, quoi. Et voilà. L'optimisation pour les points d'XP. Tu vois ce que je veux dire ? C'est voilà. Alors, trouver des trucs plus intéressants que chercher un appart, on est d'accord, mais ça peut en faire partie. Parce que derrière, moi, si vous allez... à Boston. Non, mais si vous partez chercher un appart, ça veut dire que vos collègues ils vont être dans la merde et qu'ils vont avoir besoin de vous. Et que donc, s'ils vous appellent et que vous acceptez leur offre d'aller les aider, bah, votre objectif, il sera pas rempli. Donc voilà. Et de l'autre côté, bah, faudra vivre avec le fait qu'ils ont été dans la merde et que vous n'avez pas été là pour les aider. Ah mais t'as un penthouse, je pensais. Je connais la règle, je n'ai pas d'amis, mais j'ai des biens. Ah bah, c'est à vous de choisir, hein. Après vous faites ce que vous voulez, quoi. Bah. Ok. Et donc, bah, Alci, tu vas me faire un petit jet de résolution plus calme, s'il te plaît. Déjà ? Par rapport à la semaine dernière, parce que j'ai relu la règle de... Voilà. Et en résolution... Cette composure. Ouais. Et calme. Non, c'est résolve. C'est résolve. Ouais, résolve, composure 2. C'est calme, c'est composure. Voilà. Ok. Okay, ça va, 4D. Ouais, Cat and Wood. C'est parti. Le succès. Oh. Bon, bah, très bien. Tu n'as pas modifié ton harmonie. Cool. Ton harmonie reste à 7. En gros, s'il se part sur le curut, sur ce jet de dés, la rage lui inflige une perte d'harmonie. Ouais, alors c'est pas une perte, c'est un rééquilibrage vers... Vers la chair ou vers l'esprit. C'est ça. Il faut pas le voir comme une perte, parce que, en fait, le truc optimal, c'est d'être à 5 en harmonie, en fait. En fait, c'est un équilibrage dans ta façon de jouer, en fait. C'est toujours en mode bourrin. Tant que vous êtes au-dessus de 5, c'est que vous êtes plus humain que loup-garou. Et que vous allez peut-être réfléchir plus comme un humain en premier que un loup-garou. Ce qui est logique puisque vous êtes débutant aussi. Mais voilà. Et si par exemple vous restez transformé pendant un mois et que vous ne revenez pas dans le monde des humains, que vous ne parlez pas avec des humains, etc., vous n'interagissez pas avec eux, bah ça va vous faire aller plutôt vers le monde des esprits, quoi, plus que vers la chair, quoi. Voilà. Et c'est ce genre de choses, quoi. Il faut... C'est toute la difficulté, elle est là, de trouver un équilibre, en fait, entre ces deux mondes-là, quoi. C'est-à-dire que si vous vous mettez à fond d'un des deux côtés, il y a des avantages, mais il y a aussi des défauts qui vont venir, quoi. Et voilà. Mais du coup, rester hors du monde des esprits pendant tout un jour, ça peut te faire pencher, ça peut te faire monter vers le côté humain, c'est ça ? Ça te fait monter vers le côté... Oui, ça te fait monter vers le côté humain. Et par contre, si tu restes dans l'isle pendant toute une journée, ça te fait descendre vers le côté esprit. Oui. Et c'est une semaine, par contre. Non, non, t'as les deux. Non, c'est rester pour une semaine et... Non, t'as ça aussi, mais en fait, l'amplitude n'est pas la même. C'est regarde les dernières lignes de chaque colonne, de chaque... Ah oui. Mais c'est dans la condition que vous avez une harmonie inférieure à ou égale à 3 ou supérieure à 8. Donc c'est quand vous êtes dans les zones extrêmes, en fait. Qu'il y a des trucs vraiment, vraiment très rapides, en fait, qui se déclenchent. Et en fait, l'image elle est mal foutue parce que moi dans mon bouquin. Ah oui, c'est un titre et c'est pas juste une ligne. C'est ça, ouais. Et moi, le Harmony Tree or Lower, machin, il est marqué en titre, il est pas marqué en point en fait. Et donc c'est beaucoup plus lisible en fait. Voilà. Donc les 4 dernières de chaque zone, ça s'applique uniquement quand on vous est dans les extrêmes de l'harmonie quoi.
D'accord, parce que je trouvais ça abusé de à chaque fois que tu passes dans l'usine et que tu restes 2-3 heures, tu commences à compter les points que tu bouges, tu vois, c'est un peu abusé, quoi. Voilà, tant que vous Après, êtes c'est une dans la journée zone, entière, mais voilà. Tant que vous êtes dans la zone, on va dire entre bah du coup 7 et 4, ça va. ouais. Ok. C'est pas trop trop compliqué, quoi. Quand tu es au-dessus de 7, en gros, tu commences à être... ça commence à être compliqué d'être un loup-garou, etc., en fait. Ouais. Voilà. Du coup, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ça là, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va reprendre un petit peu dans le temps pour voir ce qui se passe côté John. Voilà. Donc, je te remets en situation. Tu as vu le combat, ils se sont tapés dessus, ou toi, t'es resté neutre, on va dire. T'as attendu que la merde se règle entre eux. T'as discuté vite fait avec eux et bah, t'as décidé de te barrer. En gros, de vaquer à tes occupations. Bon, moi, j'ai supposé que tu t'allais dormir, en fait, hein, ou un truc comme Oui, ça. ça va en faire partie. Voilà. Et donc, tu es passé de l'autre côté. Oui. Et tu t'es retrouvé dans. Et c'est là que tu vas me faire un petit jet en perception, donc résolution plus astuce plus calme, pardon. Donc wits composure. Attends, astuce plus calme. Non, Après, vous préférez que je vous les dise en anglais ou non, c'est bon, c'est juste que je recherche combien j'ai. Ça fait un. Ok. Tu remarques qu'il y a pas mal de mouvements qui s'approchent vers de mouvements d'animaux. Donc en gros, imagine t'es Animaux dans. dont j'ai déjà senti l'odeur ou animaux genre un chien, un chat? Bah, c'est petit en tout cas, c'est beaucoup plus petit qu'un chat ou un chien. Parce que tu les vois pas forcément, tu vois l'air bouger, donc c'est Okay. voilà, c'est vraiment petit quoi. Tu es dans un parc, il y a quelques arbres, un peu de végétation, enfin voilà, le truc de base. Et t'es à on va dire 50 mètres à peu près du parking où il y a ta bagnole. Ouais. Il y a encore des gens ou pas? Il y Il a était. c'est tard, mais il y a encore un peu quelques personnes qui fréquentent le parc, qui peut-être qui courent un peu à côté, enfin un peu plus loin, ou qui fument ou boivent une bière sur un banc, genre de choses quoi. Bah écoute, je me dirige vers ma bagnole. Ok. Je me dis que ça doit être un dire un effet secondaire un peu de cet animaux et même peut-être bien. Eh ben, Pas du tout. tu te sens être la proie en fait de ces animaux. Et du coup, tu vas me jeter ton initiative. Quoi l'initiative dextérité C'est un des composure. 10 plus le bonus d'initiative. Bonus Un des 10. d'initiative, voilà. Tu as 5, a priori. Ah, tu t'es gavé. Crois que c'est mon premier jet de dés aussi bon. Donc... On va voir. Ah, mais les écureuils, ils vont être plus forts que moi. Hein. Alors, bah du coup, tu sens les créatures qui commencent à monter sur toi en fait. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je me mets à courir en fait. Je me dis que vu qu'elles sont petites, elles vont être déstabilisées par la course et qu'elles vont retomber par terre. Alors, bah, fais-moi Attends, alors, j'essaie de réfléchir à comment je peux rendre ça. Fais-moi un jet de vigueur plus athlétisme. Plus athlétisme. Ouais. Ça va être opposé à eux, en fait, hein. Ok. Est-ce que, alors, question, est-ce que mon truc parcours peut correspondre? Me permet de rejeter les dés une fois les dés ratés en cas de. Attends, on laisse tomber. Ok. Quand j'aurai noté, je demanderai. Alors, en fait, bah, tu commences à avancer. En fait, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'animaux qui sont sur toi, en fait,
et qui te grimpe dessus. Et en fait, bah, il commence à te mordre un petit peu. Alors, t'as des vêtements, etc. Donc, bah, pour l'instant, ça picote un petit peu, mais c'est pas... Voilà. Alors, tu identifies les animaux quand même. C'est des rats. Ah, putain. Bon, bah, j'ai compris le message. Bah, écoute, je cours. Je sais que je suis. Tu vois que les rats commencent à s'en prendre aussi aux personnes qui sont un peu à proximité. Donc là, tu te diriges vers le parking, et pour le coup, sur le parking, il y a plus de gens. Et tu vois qu'autour de toi, t'as beaucoup, beaucoup de rats qui se dirigent vers toi. Hein. Donc tu cours, il n'y a pas de problème, t'arrives à avancer un petit peu, mais t'es quand même énormément ralenti par les rats. Hein. Tu commences à avoir des rats qui sont à mi-mollet, quoi. Alors t'en as qui te grimpent dessus, mais les rats qui tournent autour de toi, c'est comme si t'étais un peu noyé, quoi, ou dans une zone inondée de rats, quoi. Bah du coup, je vais tenter une action incroyable. Je vais sortir un briquet de ma poche pour tenter de faire peur aux rats. Tu sais, je l'allume et je fais peur aux rats parce que le feu fait peur. Ok. Bah, fais et moi, j'ai d'intimidation et je te donne intimidation plus présence. Et je te donne un bonus de 1 pour le bonus de 1D. Ah putain. Okay. Donc là, il te reste à peu près une trentaine de mètres avant d'arriver aux premières aux voitures, quoi, au parking. Ok, bah, tu vas te prendre 4 blessures létales. C'est les rats qui commencent à déchirer un peu tout, quoi. Et donc, t'entends des gens qui hurlent, hein, qui hurlent vraiment à côté de toi, quoi. Notamment un jeune couple avec une poussette. Qu'est-ce qu'il foutait là, cette heure-ci, hein ? Mais voilà. Bonne question. Bah écoute, pour le coup, que ma stratégie imparable du briquet n'a pas marché, je vais vraiment m'enfuir, parce que tant qu'il y a des gens autour, je vais pas me transformer. Je me dis que mes blessures vont finir par guérir, de toute façon, donc ça va. C'est sûr. Ok, bah fais-moi du coup. Est-ce que tu actives, on va dire, une espèce d'instinct de survie ou pas, en gros? Est-ce que tu restes c'est en mode je fuis à tout prix ou je reste, on va dire, un peu intelligent, quoi. Je sais pas comment l'exprimer, mais en gros, c'est pour choisir la tribu. Oui. Je te fais lancer, en fait. Est-ce que je fais attention à ce que je fais ou est-ce que ouais. Je cours comme un gogol tout droit, quoi. C'est un peu cette idée-là. Je cours comme un gogol tout droit. Ok, bah fais-moi un jet de force plus athlétisme. Attends. Ouais. En espérant que force est meilleur que stamina pour toi. Absolument pas. D'accord. Après, tu peux dépenser un point de volonté. Hein. Oui, c'est exactement ce que je comptais faire. Je vais donc dépenser un point de volonté. Parce que j'ai enfin retrouvé la fiche. Alors, du coup, je dépense un point de volonté pour mon parcours. Je peux relancer tous les dés ayant fait une action de course, saut, escalade, etc. Ok. Je vais faire ça. Est-ce que c'est pas plus intéressant de lancer juste 3D supplémentaires dès le départ? Ah, c'est 3D le jeu de volonté? Ah oui. Ouais, c'est si t'as un jet qui est un peu limite, c'est peut-être mieux que d'activer une relance, quoi. Mais, Bah, je peux faire les deux en même temps. Parce que ça utilise deux points de volonté dans le même tour, c'est... Je ne sais pas si c'est possible. Moi non plus, j'aurais tendance à dire que non, mais... Bon bah laisse tomber, c'est bon, j'ai jeté avec 5 et c'est très bien. Ok, donc tu commences à vraiment utiliser un peu ta force et pour t'extirper de tout ça, tant pis, bon t'écrase quelques rats, hein, au passage évidemment. Pas grave. Effectivement, tu prends un peu de vitesse...
Et à ce moment-là, t'as un flic qui arrive et qui va du coup commencer à tirer en fait sur. Alors. Plutôt autour du couple qui est en galère, quoi. Mais il voit arriver qui est suivi par, par 800 rats. Donc il commence à tirer aussi derrière toi, quoi. Et tu arrives au parking. Bon, tu pisses un peu le sang. Surtout au niveau des jambes. Et en gros, ton pantalon s'est transformé en short, hein. Oui, je me doutais un peu. Voilà. Bon, de toute façon, c'est plus habituel pour moi de porter un short qu'un pantalon. Donc, quelque part, c'est pas grave. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Maintenant que t'es sur le parking. Bah, en fait, quand je suis en train de courir, je sors ma clé de bagnole et je l'ouvre à distance. Ouais. Et puis, je saute dedans dès que je peux. Ça me va, on va... Tu arrives. Alors effectivement, tu fermes la porte et t'entends un gros boom. Et s'il y a des rats, je les écrase avant de partir, hein, dans la bagnole. Bah, tu sens qu'ils commencent à tu les entends grouiller sous la bagnole, en fait, et peut-être rentrer un peu dans tout ce qu'ils peuvent, dans le moteur, etc., quoi. Bah, je démarre bon, et je me casse. Voilà, dès que tu démarres, tu vas t'éloigner un peu et tu vas en écraser quelques-uns, et puis ça sera plus une... une difficulté, mais voilà. Ça pue dans ta bagnole, ça sent le rat cramé. J'enverrai faire nettoyer après. Ouais. Et donc, bah, la question c'est, qu'est-ce que tu fais cette nuit? Alors, fier de cet échec, hein, parce que j'ai compris que c'est ce superbe alpha qui a frappé l'esprit, qui a niqué un peu le game. C'est un peu aussi de ma faute. Donc je vais rester sur l'idée que j'avais eue. C'est-à-dire de chercher un esprit de l'enseignement. Donc en fait, je vais essayer de retrouver un locus proche d'une université ou un truc dans le genre. Oula, c'est pas facile, mais je vais tenter. Ce soir, là, directement, on attaque là-dessus, quoi. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça. Hein. Mon but étant d'éviter de faire des conneries. Mm-hmm. Et comme je connais rien, c'est peut-être une plus grosse connerie que je fais, hein, j'en sais rien. Mais... Bah, le truc, c'est que comment dire, alors tu as plein d'universités dans la région de Boston, donc c'est pas un souci, hein. T'as le MIT, t'as Harvard, je crois, un truc comme ça, me semble. Bref, t'as du scientifique. Plutôt le métier, t'as plutôt journaliste, politique, lettres, etc., littérature, tout ça, de l'autre côté. Après, tu peux avoir des établissements plus petits, donc des écoles ou des lycées, choses comme ça, quoi, des high school, des... Qu'est-ce que tu vises? L'université de Boston aussi, qui est un peu générique, on va dire. Moins coté que c'est l'université d'État, donc c'est moins coté que... J'ai envie de dire, je vais taper dans le généraliste, hein, donc je vais commencer par l'université de Boston, et si ça marche pas, Harvard, et sinon encore, là je me rabattrai sur d'autres trucs plus spécifiques. Ok. En admettant qu'il y a un locus. Ouais. Eh ben, tu vas me faire un jet en astuce plus calme, pour essayer de le... Détecté. Yeah. T'as fait un succès? Ouais. Ok, t'en trouves un. Mais ça te prend quand même 3 heures hein, de le trouver. Et il est où? Je le saurais. Il est dans un labo de chimie. À l'intérieur de l'université. Ouais, mais laquelle? Ah, bah, l'université d'État. Du coup, donc. Université de Boston, il y a un locus dans le labo de chimie. Ouais, dans un de labo de chimie, parce qu'il y en a évidemment plusieurs, ouais. Mais voilà, dans une salle de classe, quoi. En fait, c'est un labo, mais c'est une salle de classe, quoi. Avec des paillasses, quoi. Et voilà. Eh ben, je passe dans le monde des esprits. On a fait le G. Je mets ce que c'est, hein. Je suis désolé, je suis pas encore habitué. C'est instinct primal plus présence et intelligence. Instinct primal. Ah, un instinct primal. Et sur
Ah bah super. Ah, t'as la même chance que nous, ça fait plaisir, au revoir. Non, mais je vais claquer un point d'essence, si j'ai pas de conneries. Ouais. Je passe direct dedans. Ok, bah t'arrives dans... T'arrives dans une salle qui est remplie de mousse. D'accord. Et la mousse, elle est comment? C'est... Je marche dessus ou c'est de la mousse débule? Tu marches dedans. Tu marches dedans. Je veux dire, c'est quoi? C'est de la mousse type débule ou c'est... C'est de la mousse au sol type lichen? Non, c'est de la mousse chimique, quoi. Qui change de couleur, qui peut être à mémoire de forme à certains endroits, ou... qui te fait marcher au-dessus du sol, puis redescendre, voilà. Ah ouais, la fameuse mousse qui fait marcher au plafond. Ah, tu marches pas au plafond, mais c'est juste que c'est une mousse qui change de densité, donc voilà. Ouais. Potentiellement, tu peux marcher dessus, des fois, non, t'enfoncer, elle garde une forme, voilà. C'est tout, quoi. Et elle change de couleur aussi, elle réagit à ta présence. Bah écoute, je vais chercher un esprit qui pourrait être représenté dans le genre. Et éviter les esprits du genre fainéantise, les mauvaises pensées que peuvent avoir les élèves en classe. Là, tu sors de la pièce, tu es dans un couloir, et au bout du couloir, tu vois un chien. Un Doberman. Bon, un Doberman un peu génétiquement modifié quand même, hein, pour être honnête. Il a un costume de flic, ou ce qui en ressemble à un, et il court vers toi. Garde d'école. Bah écoute, je hurle, stop! Bon, je me prépare quand même à l'éviter. Ah, C'est bien avec toi parce que tu. Il va t'attaquer, mais tu vas l'éviter. Essayez, hein. Tac-tac-tac. Bah, en fait, tu dis stop, il va hurler. Qui es-tu? Tu n'as rien à faire dans cette. Dans ce lieu, je peux pas te laisser rentrer. Je cherche à apprendre. Ouais. Est-ce que c'est pas le bon endroit? Est-ce que tu t'es inscrit en septembre à l'université? T'as ta carte d'étudiant? Je l'ai pas là avec moi. Mais disons que je suis plus un ancien élève qu'un actuel. Et je cherche à apprendre de nouvelles choses. Ici, on apprend que des anciennes. Mais anciennes pour vous, nouvelles pour moi. Notamment sur ce monde. Es-tu prêt à donner? Ourata. Ça dépend ce que tu peux m'apprendre. Oh, moi je ne peux rien t'apprendre. Moi je peux juste te laisser. Et est-ce que tu saurais me montrer quelqu'un qui peut m'apprendre? Bah visiblement je vais rectifier ce que je viens de dire. A priori, si je pourrais t'apprendre au moins une chose. C'est-à-dire? Comment négocier avec un. On va dire que ça va être ma première leçon. Au vu de tes jambes. Et de leur odeur, je dirais que elle t'a déjà été enseignée. Donner de l'essence aux esprits? Effectivement. Bah écoute, je sais pas comment on donne de l'essence à un esprit, mais... Bah tu le touches en fait. Tu le touches et il s'en occupe, quoi. Bah lui c'est un chien, donc il va plus ou moins te mordre un peu la main, comme un chien le ferait amicalement, quoi. Mais la question c'est, tu lui donnes combien? Parce que... Je lui donnais un d'essence pour l'instant. C'est pas... Il m'a pas beaucoup donné d'informations. Il me l'a juste passé. Ok. Il te montre une horloge qui est au mur et il te dit « Tu as une heure. » Très bien. Et tu m'as pas enseigné ta leçon. À part que je dois donner de l'essence à un esprit, c'est un peu léger pour la négociation. Rien d'autre n'intéresse les esprits que l'essence? Non. D'accord. Ils peuvent en gagner de façon détournée, soit directement par des dons, soit par des actes qui provoqueront la même chose, mais le don direct est le plus rapide. Donc à la rigueur, rendre un service, ça peut aider, mais le principal, c'est donner. D'accord. Bah après, le service, ça dépend de l'engagement que tu mets dedans, quoi. Tu vois, si c'est un service à la one shot, non, ça va pas. C'est plus rentable pour un esprit peut-être de récupérer
pas récupérer l'essence directement, mais si c'est un engagement long, ça sera plus bénéfique pour l'esprit, quoi. Très bien. Bah écoute, du coup, vu qu'il me dit que c'est une heure, je me mets à courir et à chercher un esprit qui pourrait correspondre à ce que je cherche. Ok. Bah tu arrives à la bibliothèque. Et du coup, tu as pas mal d'esprits de savoir hein, qui traînent. Donc ont plus ou moins des espèces de golems de livres, golems de papier, ce que tu peux voir. Tu peux voir une espèce de bibliothécaire un peu chelou qui est fait que d'encre en fait, qui forme des espèces de tatouages sur une peau transparente. Quoi. Ouais, allez, vas-y, lui, c'est le plus chelou, ça doit être le plus intéressant. Chut. Bon, bah, voulez-vous savoir, jeune homme ? Je cherche à apprendre comment fonctionne le monde et ma place dans tout ça, évidemment. C'est une bibliothèque. Tu veux aller voir les livres pour ça ? J'ai peur que nous n'ayons pas de livre dédié à ça. Vous pouvez vous renseigner dans la partie philosophie, mais... Ouais, vous êtes des êtres anciens, vous avez bien dû connaître d'autres personnes comme moi. Savoir comment ça fonctionne, comment je dois fonctionner. T'entends une voix qui te dit « Si tu veux, je peux t'apprendre. » J'identifie d'où vient la voix. C'est un esprit qui est dans la pièce. Je charge un petit peu son apparence. Je pense qu'il va ressembler à un homme d'église. Des vêtements noirs, très amples, qui volent un petit peu. Et il n'a pas de visage. Il a juste une croix, en fait. Je suis tout ouïe. Enseignez-moi. Il s'assoit à une table, il s'éloigne un petit peu, et il va s'asseoir à une table, il t'invite à t'asseoir en face de lui, et en gros il va te dire, tu es un Urata, il existe, on va aller en privé, ça va être plus marrant pour les autres. Ouais. Ok. Pouf, on bouge. Oups. Donc... Alors, juste, j'aimerais bien qu'on accélère un petit peu pour que je récupère les autres. Ouais, bien sûr. Je pensais que t'allais ellipser le passage, en fait. Bah, j'aurais bien aimé, mais tu m'aurais dit, je vais dormir, et puis, bouf, le lendemain matin, tu faisais les autres arriver, et puis voilà. Mais là, tu pars sur une quête tout seul, donc voilà. Il va te dire qu'il y a deux factions, donc les purs et les Forsaken. Donc les déchus et les purs. Que en gros, les déchus, c'est des couillons parce que ils se sont condamnés eux-mêmes à faire un travail qu'ils sont sûrs de perdre, quoi, qu'ils n'arriveront jamais à finir. En gros, il t'explique un peu la métaphore de la tapisserie de la femme d'Ulysse. Qui se défait toutes les nuits pour être refait machin. C'est un peu cette image-là, quoi. Et de l'autre côté, tu as les purs qui ont refusé ça, mais qui n'ont pas vraiment d'objectif et qui essaient juste de vivre et sont nostalgiques du passé sans forcément avoir de vision pour l'avenir et d'objectifs réels, quoi. Et lui, il te propose une troisième... Okay. Qui est de lui jurer fidélité et de suivre, de lui obéir. Et potentiellement, de se mettre au service du monde des esprits son espèce de champion, quoi. En échange de quoi, il va t'aider, quoi. Côté de la proposition, mais de ce que le peu que j'en ai su, et la relation est plus sur une équivalence. Bon. Équivalence, c'est-à-dire En termes de, il n'y a pas de maître ou de serviteur dans ce genre de relation. C'est-à-dire que moi, ce que je te propose, c'est d'accepter le sort que les Urata
ont échoué à faire respecter l'ordre entre le monde des esprits et le monde des humains, et de reconnaître la supériorité des esprits, et donc du coup, bah, de rentrer à mon service, et tu en seras tout à fait récompensé. Je vais y réfléchir. Désolé, pour l'instant, j'en sais trop peu sur ce monde pour pouvoir vous dire oui. Continue de m'enseigner, ce que vous savez. En gros, il te touche la tête et il te montre une image en fait. Il te montre des il t'envoie un peu en prospection des images que tu peux ressentir et où tu vois en fait plein de guerres qu'il y a eu entre. Enfin, il te montre un peu la stérilité de la guerre entre les purs et les déchus, quoi. Et qu'au final, voilà, c'est une guerre qui s'oppose depuis des milliers d'années, que ça sert à rien, que les grandes tragédies de l'humanité, c'est quand les Urata ont fait de la merde, quoi, ou étaient pas présents, pour calmer la chose, etc., etc. Tu vois, il t'envoie vraiment des images lourdes, quoi. Certes, mais si on est condamné, qu'est-ce que ça va changer que je me mette à votre esprit, à votre service? Eh ben, tu seras du côté des... Tu ne vas pas sacrifier ta vie inutilement dans une guerre stérile, quoi. Ouais, est-ce que la guerre est la seule option? Ah ben... Entre les purs et les déchus, oui. Et entre les déchus et les esprits, oui. Et qu'est-ce que ça m'apporterait d'être à votre service? Parce que tu veux. Pouvoir, puissance, nouveau... C'est tentant. Peut-être un peu trop. Comme dit, je sais où vous trouvez. Je reviendrai vous voir si jamais je décide de venir servir. Très bien. Je pense que le collègue à la porte va te raccompagner. Si ça fait une heure. Oui. Merci pour les informations. Tu réclames quelque chose ou pas? Non. Écoute, je m'incline. Je passe. Ok, on te fout à la porte généreusement de l'université. Hein. Oui, bah, de l'université spirituelle, j'entends. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai déjà appris, donc je suis content. Déjà, j'éviterai de refaire la connerie que j'ai fait dans le parc. Clairement, hein, la connerie dans le parc, c'est juste que t'as pas payé. Hein. Bah oui, mais c'est quand tu sais pas ce que c'est l'essence, ce que c'est sa valeur, si ça revient, si ça revient pas, c'est compliqué. D'ailleurs, il est rentré dans le détail, dans les infos, ou juste il est resté en surface comme tu... Non, il est resté en surface. Bâtard. Bon, bah écoute. Bah, je vais rentrer et laisser mes jambes cicatriser. Ok. Chaque fois que tu parles, je me dis, oh putain. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci? Bah enfin, voyons. Non, mais tu sais, c'est revenu pavlovien maintenant. Dès que tu te dis un truc, je dis, oh putain. Oh merde, au secours, oh merde, à l'aide, il part. Il donne-moi ton téléphone, je dis, oh putain, c'est bon, c'est fini. Donc, en gros, une fois que t'as fini ton truc, tu vas te reposer, et donc on peut passer au lendemain matin. Oui, désolé que ça a été aussi long. Normal. Et du coup, le lendemain matin, je pense que dans la nuit... Vous avez commencé à le chercher un petit peu et à essayer de le retrouver. Mmh. Et potentiellement, je considère que vous allez peut-être le retrouver alors qu'il rentre chez lui. Et puis et vous prenez rendez-vous pour le lendemain matin, non? Pour discuter, je sais pas. Je sais pas, non, pas forcément, parce qu'on a déjà beaucoup discuté avec lui. On voulait juste défoncer les purs. Donc on cherchait les purs, en fait, maintenant. Avant de défoncer les purs, on voulait... Non. Avant de sauter à la gueule des purs, la première chose dont on avait parlé la semaine dernière, c'était entraînement, pour apprendre aux gens à se transformer. Alors, le rendez-vous avec les purs, c'est ce soir. Okay. C'est ce soir. Je ne sais pas ce qu'a prévu de répondre John, mais voilà, vous savez. Alors, je ne sais pas si vous a donné la localisation. Oui, je l'aurais donné. Ouais, je crois, je lui avais demandé. Donné ouais, à celui qui m'a demandé. C'est juste que le plan pour tuer des purs, c'est surtout les défoncer un par un quand ils sont isolés. Donc, c'est un peu compliqué. Un peu le principe d'une meute, quoi, c'est de pas être isolé. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le donnez dans la confidence ou pas
Le problème, c'est qu'il n'a pas fait son choix. Si on lui dit, tiens, en fait, t'hésites entre nous et mais nous, on va leur défoncer la gueule. Et on va y aller en mode loose dé, on a prévu 8 grenades et 250 Kalachnikov. Bah, tu sens l'honnêteté, quoi. Sincèrement, je sais pas, parce que si on lui dit qu'il dit non, il va plus être une opposition. Enfin, après, tu me diras, s'il dit non, pourquoi on va buter les purs, hein? Ouais, déjà première chose en fait, s'il dit non, ça sert à rien de buter les purs parce qu'il n'y a plus de questions à se poser en fait. On est d'accord. Ensuite, moi ça m'embête d'aller affronter des trucs que j'ai du mal à combattre avec des gens que je n'ai jamais vus se transformer. Deuxième point. J'ai mis 10 ans, ils se sont transformés quand même. Mais bon, en face, c'est des spécialistes de leur pouvoir. Ouais, enfin, je sais pas si, enfin, j'ai aucune idée quant au fait qu'ils sachent se battre, tous ces gens, tu vois. Bah, si, si, regarde. Et du coup, on va aller au combat contre des gens entraînés avec des gens qui savent à peine marcher, quoi. Enfin, ça me semble pas super viable stratégiquement parlant. À moins de faire une super préparation, mais même avec une super préparation, dans tout le tas, il y en a un seul qui sait utiliser des armes, par exemple. C'est moi? C'est aussi le seul qui, a Ouais, priori, ce sera sache, utile. Je soit sais pas vraiment si ce sera entraîné au utile combat. contre eux. Je sais pas si ce sera utile contre eux. En même temps, ils se battent pas tout Ça seuls, ils se peut... battent à Ouais, mais ça 4. peut peut-être les affaiblir, un hein, bon coup de le Bah, fusil tu sais, je pense qu'à pâter de C4 dans le cul, même à Garou, ils le sont passés, tu vois. à bombe. Ouais, mais ils sont 4 en face. Moi, je pense qu'on peut peut-être les affronter Ils un sont par trois en un, face. trois. Ils Ouais, sont bah, trois en face. si on arrive à affronter un tout seul, ce sera pas mal, mais si les deux autres avec, ça va être chaud. Bah, c'est l'idée en fait à la base. Oui, bah Il l'idée, fallait c'est qu'on ça. élimine les purs un par un en leur tendant des embuscades pour avoir l'avantage du Bah nombre. oui, mais non, si tu veux entendre une embuscade, il faut pouvoir les séparer. Bah, ils sont peut-être pas tout le temps collés les uns aux autres. Oui, on peut le voir comme ça. Mais dans ta phrase, il y a un peut-être. Bah, la fois dernière, ils étaient ensemble. Bah, oui, mais la fois dernière, ils avaient une mission qui était de récupérer quelqu'un pour la meute et avec potentiellement d'autres garous qui débarquent. Bah, si là, ils y vont pour le rendez-vous avec John pour qu'il accepte ou pas leur offre, donc il y a des chances qu'ils soient tous là. Bah non, il sera pas tout seul, au contraire, enfin. En fait, il y a un problème majeur avec. Ah, ça Il y va, t'es un a acteur. zéro préparation. On va à l'aveugle dans un piège à con. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Il faut qu'on se prépare, il faut qu'on puisse Si tu veux. en immobiliser deux autres. Donc, Oui. ouais. Alors, on fait cette discussion en roleplay ou en roleplay là? Ben, on replay. Pas de replay, non? Alors, petite leçon de combat, les gars, parce que, enfin, je doute que vous ayez, enfin, de ce que je vois, je doute que vous ayez beaucoup d'entraînement et beaucoup d'expérience du combat. Le meilleur moyen de foirer un combat, c'est d'aller avec sa bite et son couteau à l'aveugle dans une zone de combat. Voilà, On ne ça je sais sait, faire. on n'a aucune préparation, aucune observation. On ne sait rien des cibles. On ne sait rien. Quand je dis rien, on sait qu'ils sont plus puissants que moi, a priori. Donc, que globalement, nous tous aussi. Et on ne sait absolument rien de leurs points faibles, de leurs points forts. Et on sait rien du lieu aussi. On ne sait rien du lieu où on va aller attaquer. On n'a absolument aucune information qui pourrait nous donner un avantage. On n'a que des désavantages dans ce combat. La seule chose qu'on puisse faire en allant à ce combat, c'est se faire rétamer la gueule ou, si on a de la chance, s'en sortir. Voilà, c'est pas ce que je dis. Il faut préparer un truc pour qu'on puisse au moins en bloquer deux, ou voir de quoi en bloquer deux, mais comme on sait pas Dans quoi utiliser. l'idéal, il faudrait qu'on les observe, qu'on prenne le temps de les suivre, de les repérer, et qu'on tombe sur l'un, qu'on l'élimine, et qu'on tombe ensuite sur un autre, et qu'on l'élimine, et qu'au rendez-vous, où la chef elle soit toute seule. Mais là, on n'a pas le temps, enfin, on a 12 heures devant nous, on n'a aucune chance. Non, mais clair. Bon, Ouais. le lieu, Alors ça peut se voir déjà, vite la fait. Si on a première. les coordonnées, on peut les choper sur Google Maps et avoir au moins un plan de la zone. Mais je pense sincèrement que depuis le début, les garous essayent de nous tuer, en fait. On est dans un jeu de la Matrix et on est dans la merde totale. Il n'y a aucun garou local, ce qui est pas normal. Et le seul garou que j'arrive à contacter, il nous dit, allez les défoncer. Le Non, il a mec, dit c'est... pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, éliminer la concurrence, quoi. Voilà, mais bon, je veux dire, c'est quand même... on est des nouveau-nés là-dedans. Après, je ne connais pas du tout la vision culturelle des garous, quoi, mais... Il a pas forcément dit ça. Hein. T'as cherché une solution. Lui, c'est la seule qui voit. Il t'a pas dit de le faire. Hein. C'est ça le truc. Hein. Bah du coup, on le fait pas. Hein.
On est pas obligé de le faire. Alors... Là, je vais pas être méchant, mais non. Désolé, s'il préfère être avec les purs, le John Johnson, ah bah tant pis, hein, je veux dire, on va pas risquer nos vies pour ça. Quoi, je surtout veux dire, moi, surtout qu'il y a, deux problèmes avec ce plan, c'est on est les gentils, qu'est-ce qu'on fait? La première fois qu'on les voit, on leur saute à la gorge, sans autre forme de procès. Oui, mais parce que la méthode Et la deuxième fois qu'on les voit, on tente de leur tendre une embuscade, le mec, pour le récupérer dans notre clan. Ouais, enfin, je sais qu'on est américain, hein, mais enfin, je veux dire, il y a des libérations de pays qui ont été plus subtiles ces dernières années, quoi. D'accord. Non, mais clairement, on va le voir. Au pire, on lui dit, bah, écoute, bon courage chez les purs. Voilà notre numéro, si tu vois que t'es déçu, quoi. Et basta. Hein, Bah, déjà, on va aller discuter avec lui et on va lui demander son avis, non? Avant de prendre mais une décision. On a déjà discuté avec lui. Il avait pas discuter choix. Plus clair à terre avec lui, quoi. Alors, on a... Faut pas qu'il ait saisi comment ça marche, les purs. Quelle discussion on a eu avec lui? On a eu une discussion, on lui a donné des brèves infos, mais en fait, on lui a jamais demandé son avis, on lui a jamais expliqué non plus ce qu'on voulait faire pour la... ce qu'on voulait construire comme meute et tout ça. Et même, c'est une discussion qu'on a jamais eue entre nous, tout court. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire pour créer une meute et ce qu'on sait. Ah oui, clairement. Donc, à un moment donné, on essaie d'attirer un mec dans un groupe dont on ne sait absolument même pas les rouages élémentaires. Ah oui, non, c'est à chier, hein, je suis d'accord. Les gars, on est en train de se jeter dans, nous-mêmes dans un mur, là. Ah oui, ah. Non, je suis d'accord. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai bien aimé ta remarque par rapport à la guerre et tout. Moi, c'est pareil. Tu sais, je vais jamais pirater un serveur sans m'être préparé à l'avance. Faut que t'arrêtes de pirater des serveurs. Mais enfin, non, pas vraiment. Métier, non, c'est pas qu'il faut que t'arrêtes. C'est pas qu'il faut que t'arrêtes de pirater des serveurs. C'est qu'il faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi lorsque tu pirates des serveurs parce qu'il faut que tu ne le fasses que quand c'est utile. Oui, mais je le fais plus maintenant. Mais voilà quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que. T'es préparé Oui, il faut avoir chopé les bonnes IP, pouvoir rentrer, tout ça, tu vois, ça prend du temps. Faut enquêter, faut rechercher. Ouais, ça je confirme. Mais, Donc, non, ça se prépare aussi, quoi, comme pour tes batailles et tout ça. C'est juste ça que je voulais dire, quoi. J'ai parfaitement compris qu'il fallait plus que j'agisse tout seul et tout ça, que maintenant on était un clan. Oui, c'est ça, c'est un bon début. Une meute, pas un clan. On n'est pas un vampire, c'est vrai, une meute. Mais, alors, pour poser les choses à plat, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut lui vendre à l'heure actuelle? Non, mais pourquoi on lui vend? Et pourquoi, pourquoi à tout prix lui? Et qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce que le plus simple, ça serait pas d'aller voir ton contact? Oui, clairement. C'est qu'on aille lui le voir, qu'on lui dise, écoute, là, on sait pas où on va, on a quelqu'un qui a des infos, est-ce que tu veux bien venir avec nous? On va lui poser les questions et il va répondre à toutes les questions qu'on va pouvoir lui poser. Voilà, ou tu préfères aller voir les purs qui te disent qu'ils ont des réponses tout de suite, hein, aussi, hein. Non, mais... Non, alors... T'es pas censé être dans le commerce, toi? Non, pas du tout, je suis dans le bâtiment. On arnaque les gens. Après, je suppose que les purs, s'ils disent non... Quand tu fais une proposition... Quand tu fais une proposition, fais pas une contre-proposition qui nuit à ta proposition, en fait. Non, je suis d'accord. Mais oui, on peut juste lui dire qu'on a un contact, comme tu dis, et puis on verra bien. Après, on peut jouer franc jeu, hein. Il se sent doute pas qu'il va se faire assassiner s'il refuse. Ouais, tu crois qu'on peut le buter? Non, mais c'est pur. Ah oui. Ça casse son expérience. Nous, mais non, c'était mais moi, la nôtre. Moi, ils m'ont charcuté au couteau. Mais on s'est tous fait défoncer par les purs. On s'est tous fait défoncer par les purs. Moi, je sais pas ce qui m'a attaqué, a priori. C'était pas l'un de ces trois enfoirés. Cela dit, trois enfoirés qui défoncent des gens sans se faire blesser, ça correspond aussi à des gens qui ont attaqué des gens de mon entreprise, donc j'aurai des questions à leur poser et plus si affinité. Mais oui, non, enfin, je pense que là, moi je propose qu'on oublie les purs pour l'instant, on parle pas de ces gens, on parle pas du problème qu'on a avec eux, et on propose juste, écoute, on n'a pas d'infos, on sait pas où on va, on a quelqu'un on a un contact qui a des informations. On te propose de venir avec nous voir ce contact. Comme ça, tu auras les mêmes informations que nous et comme ça, tu pourras partir à pied d'égalité et prendre ta décision en sachant de quoi on te parle.
pas juste sur des mensonges de gens qui prétendent avoir des réponses et oui, mais et pas sur une utopie complète. Comment ça, qui craint rien? Ben, John, parce que bon, s'il y a une espèce d'omerta ou un truc comme ça, peut-être qu'ils ne laisseront pas partir. Une espèce de quoi tu parles? Mais je sais pas. Les purs, non, mais il a raison. Les purs ont l'air de pas nous blairer, de pas nous aimer. Ah. Il semble qu'on les aime pas non plus. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Oui, bah justement. Justement. Si les personnes qu'on va voir n'acceptent pas qu'ils ne prennent pas de décision maintenant, ou qu'ils prennent la mauvaise décision, ça risque mal de se passer aussi. Parce que si il donne des infos, peut-être qu'il s'attend à ce que John rejoigne le groupe. Ouais, mais en même temps, s'il donne des infos, ça permettra peut-être de savoir qui sont les purs et pourquoi on s'entend pas. Parce que moi, tout ce que je sais, c'est que ces mecs ont l'air de vouloir faire du recrutement plus ou moins sauvage sur les garous. Mais je sais pas pourquoi, ils ont l'air d'être en guerre avec les meutes garous. Ou pourquoi l'autre, il dit, et si c'est des purs, butez-les. Et je pense que si on veut qu'ils fassent le bon choix, la première chose à faire, c'est donner à John un vrai choix. Avec des vraies informations, ou c'est lui qui prend la décision et pas quelqu'un qui lui raconte le mensonge qui va être utile. Ouais, on va, de toute façon, on va partir là-dessus. Hein. Oui, moi, ça me... Non, c'était juste pour te dire que. Il se peut qu'on lui fasse courir un danger. Oui, mais alors, vois ça autrement. On ne doit pas lui faire courir un danger que nous-mêmes on ne court pas. Bah, nous, on est déjà un semblant de meute. D'accord, j'ai une idée. On lui dit ça, ok. Il y en a une numéro. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, observer à distance comment ça se passe pour lui. Et si on voit qu'il y a un problème, on intervient. Hein ? Mais ouais. Si on va au rendez-vous, on doit tous être là, non ? Oui, mais le rendez-vous, c'est pour lui, c'est pas pour nous. Non, c'est aussi pour nous. De ce que tu nous as dit, c'était pour nous. Non, je parle pas du rendez-vous du mec, je parle du rendez-vous des purs. Ah ? Ouais. C'est ça, je veux dire. On peut lui proposer, mais moi j'aimerais quand même être certain que aller au rendez-vous ça servait à quelque chose parce qu'on a les moyens de l'aider, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pour ça, je pense que ce serait bien que des gens soient capables de se contrôler quand ils se transforment. Mais du coup, là c'est le joueur qui chronologiquement est pas certain. Vu l'heure, vu tout ça, lequel arrive en premier, le rendez-vous pour avoir des infos ou le rendez-vous avec les purs? Les purs, il a dit que c'était le soir, alors que l'autre, il faut sortir de la ville, il faut faire des routes, quelques heures de route. Ah, d'accord. Ouais, dans une forêt ou un truc comme ça. Et il faut le prévenir à l'avance aussi. Oui. Il n'y a pas que ça à foutre aussi, quoi. Oui, bah oui, je comprends. Bon, bah écoute, moi je propose qu'on contacte John et qu'on discute de ça avec lui. Ok, c'est bon pour moi. Moi je suis le chef. Par la magie de la technologie ou d'un départ, vous voilà face à John, vous pouvez lui parler. Ouh. C'est beau le bus. Oh, c'est beau la technologie. Non, c'est grâce à Spock. Quoi ? Scotty. John ? Johnny ! Jonathan ? Alors, je dis bonjour qu'à celui... Oui, alors je m'appelle John, pas Jonathan, ni Johnny d'ailleurs. Hello John. Donc je dis bonjour au seul qui m'a dit bonjour John. C'est pas dans Terminator 2 qui dit ça. Bonjour. Aucune alors... idée. Je ne sais pas. J'ai pas vu les Terminator non plus, donc... Bonjour John, nous savons que ce soir vous devez rencontrer votre... déjà, enfin, avec les purs. On ne sait pas comment, comment ça s'est passé le retour dans... après l'Umbra pour vous. Et du coup, nous voudrions... L'Isile. Mal. Et du coup, peut-être que vous voulez que nous en parler. En tout cas, nous, ça nous intéresserait de savoir ce qui s'est passé pour vous. Ah, bah, j'ai été agressé par des centaines de rats. Pas vous. D'accord. Comment ça se fait ? Bah, j'imagine que ça doit être lié au fait que j'ai pas payé l'esprit rat et que quelqu'un ait décidé de lui taper dessus. Je pense qu'il y a une faute partagée. Comment il assume même pas ses responsabilités clairement, là, je suis à deux doigts de m'enrager. Alors, pour le coup, le MJ dira que non, il n'y a pas de force partagée. Hein, c'est uniquement le... Après, ça peut être la vision du personnage. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est uniquement le non-paiement. Eh oui. C'est moche. Bah, c'est exactement comme pas dire bonjour, en fait. Hein, c'est, voilà.
C'est une convention, quoi. Oui, enfin, j'arrache pas les jambes des gens quand ils me disent pas bonjour. Ouais, un peu plus taquin sur les conventions, ok, mais voilà. Tu loupes quelque chose, hein, les jambes c'est plein de poils et le poil c'est plein de fibres. D'accord. C'est bon à savoir, je le ferai la prochaine fois qu'on me dit pas bonjour. J'attends de regarder, je vais regarder les journaux avec beaucoup d'attention à partir de maintenant. En tout cas, nous étions venus aussi pour vous dire que nous allons prendre congé de la ville afin d'aller voir un contact Garou. Non, Urata, c'est ça? Oui. Urata, oui. Qui devrait nous enseigner les us et coutumes de notre entité. C'est une connaissance que j'ai qui, du coup, va nous accueillir. Vous êtes le bienvenu afin de découvrir ce qu'il nous apprend. Voilà, nous allons faire. Enfin, nous allons partir bientôt. Enfin, dans l'idée, on va prendre contact. Et donc, voilà, on voulait vous prévenir si. Et quand rendez-vous? Bah, quoi? Enfin, je lui dis que ça se passera à quelques heures de route de Boston. Je préfère ne pas en dire pour l'instant, puisque vous n'avez pas fait votre choix, et que peut-être que vous allez rejoindre une compagnie de groupe qui veulent notre mort. Du coup, je préfère éviter de donner ces informations. Quoi? Ouais, mais proposer un rendez-vous, si vous ne dites pas la date, l'heure, etc., ça risque d'être compliqué pour moi d'y aller, hein. Non, mais c'est un rendez-vous, on va tous partir. Mais d'abord, il faut savoir... savoir si on vous compte ou pas pour le rendez-vous. Ensuite, je transmettrai les dates et les horaires. Ah, enfin, visiblement, j'essaie de comprendre. Donc, oui, ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui m'explique. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, les gens restent vaguement en surface et sans de rien. Ben, c'est le simple fait que nous ne savons rien. Moi, je suis comme ça depuis 2 semaines. tu veux dire avant même la transformation? Non, mais je sais que je suis loup-garou depuis 2 semaines, donc... Il s'appelle Jon Snow, en fait. Plus que ça. Ouais, bah, je suis le premier dans... Alors, comme l'a dit Colin, le but de la réunion, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un qui a des connaissances et de l'expérience. Donc, c'est assez simple, enfin... Le truc, c'est vraiment, par contre, est-ce que tu as fait ton choix ou pas? Est-ce que tu sais, à l'heure actuelle, ce que tu veux? Par rapport au pur, par rapport à nous? Alors, par rapport au pur, oui. Par rapport... Qui veut dire... Alors, si je dis oui au pur et que vous, j'ai pas de réponse, normalement, ça devrait être assez évident. Pour me dire non au pur, je vais pas les rejoindre. Je préfère quand les choses sont dites clairement, comme ça on est... Ah voilà, c'est fait. Ok. Sachant qu'il y a plusieurs heures de route, est-ce que pour toi on pourrait partir maintenant ou pas? On est au courant que tu as rendez-vous avec les purs ou pas? Bah oui, il nous l'a dit. On a même l'adresse. Ah oui, ça va. Et l'heure. Par rapport aux purs, moi ce que je propose, enfin ce qu'on pensait, c'était venir essayer de venir en renfort au cas où tu es besoin. Et il risque pas de vous sentir arriver à 10 km? C'est pas nous qu'il faut t'inquiéter, ce serait de toi. Moi, je suis moins combattant d'entre nous, mais je te juge ça comme ça. Ces gens-là, ils m'ont attrapé. Ils m'ont charcuté à coups de couteau jusqu'à ce que j'accepte de rentrer chez eux. J'ai juste été sauvé par un concours de circonstances. Mais sache que, pour moi, la façon dont ils m'ont traité, maintenant que c'était mon mentor, si tu refuses, il risque de t'arriver des bricoles. Ça ne viendra pas de nous. Non, mais c'est pas ça le problème. Bah, c'est que nous, on te laisse le choix, eux ne te laisseront pas le choix. Non, mais quand je dis c'est pas ça le problème, c'est... Mais alors, déjà, tu as raison, je pense que les purs te risquent de te faire payer ta réponse. Et est-ce qu'ils risquent de nous repérer? C'est une bonne question. Après, on peut... En chasse, il y a des techniques pour devenir plus discret. Entre autres, l'une d'entre elles, c'est ne pas être sous le vent, enfin, de façon à ce que le vent ne porte pas ton odeur. Déjà, ça va être compliqué, le fait de repérer ton odeur, ce genre de choses. Donc, je pense qu'on a des moyens pour s'assurer que, en étant un peu subtil et intelligent, ils puissent pas trop nous détecter immédiatement. Après,
C'est nous ce qu'on te proposait, c'était de venir en fort pour pouvoir te protéger. Je pense que de toute façon, on pourra pas non plus être à perpète si on veut pouvoir t'aider, quoi. Donc c'est un risque qu'il faudra prendre, je pense. Ah, si vous voulez. Par contre, bah, je vous l'ai pas encore dit, mais je comptais pas aller leur dire en face, hein. Mais t'as pas rendez-vous avec eux? Ah bah si, mais bon. Poser un lapin, ça existe dans le monde des humains, ça peut exister dans le monde des loups-garous, Je viens d'arriver dans la conversation, désolé. Mais du coup, que désires-tu pour toi? Je pensais que t'hésitais à les rejoindre aussi, puisque bon, tu avais que deux propositions pour hein. découvrir ta nature surnaturelle. Après, tu peux aussi choisir peut-être Et en fait, de rejoindre aucun des deux. quand tu étais pas là, il m'a répondu à la question. Oui, je ne compte pas rejoindre les purs, mais pour l'instant, vous rejoindre, je ne sais pas. J'en sais trop peu. Donc je veux bien aller à ce rendez-vous avec votre contact, apprendre, et ignorer superbement le rendez-vous avec les purs. Je vais prendre contact avec mon contact et puis je vais transmettre l'information. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est que les purs ont votre adresse. Et peut-être qu'il serait peut-être bon ton pendant quelques semaines que vous ne viviez pas là où ils savent que vous allez vivre. Ah, je dis ça. Non, en Ça peut fait, tu être as trans Thomas. transformé mon appartement en dortoir, là, c'est ça? Ah non, bah après, ça dépend. Il a peut-être des contacts et des relations. Enfin, je sais pas, moi je connais pas sa vie privée. Mais ce que je veux dire. Après ce qui s'est passé dans le prologue, il avait des potes qui lui font payer hyper cher des trucs. Peut-être que lui fait pareil, hein, et que des potes sont capables de l'héberger. Mais je veux dire, c'est que clairement, les purs, enfin, vu comment ils sont comportés avec chacun d'entre nous, le fait qu'ils se fassent poser un lapin, j'ai peur qu'ils décident de le prendre un peu mal. Et la différence d'un humain qui prendrait un lapin, il peut pas se transformer en humain. Eux, ils peuvent. Et vu ce qui s'est passé avec votre, comment s'appelle, votre gardien. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas une porte ou l'agent de sécu en bas qui va les retenir. Oui, c'est probable. Et on verra. Hein. Après, la police m'a quand même demandé de ne pas quitter. Je vais déjà contacter pour savoir quand est-ce qu'on a une date. Peut-être qu'à ce moment-là, les affaires ont résolu. Puis, vous n'avez pas le droit de quitter la ville, mais peut-être que vous pouvez déclarer, enfin, aux yeux de la loi, en fin de compte, ce qui va compter, c'est que vous devez pouvoir être joignable. Si vous expliquez où vous vous trouvez, dans quelle ville, avec quel motif, etc., on peut peut-être bidouiller ça si vous avez encore besoin de quelque chose. Vous pouvez demander à cette personne, peut-être, s'il a des contacts dans la police locale, que vous avez rendez-vous avec un avocat ou quelque chose dans le coin et qui pourra, on va dire, vous faire un certificat. L'architecte, tu peux toujours prétexter et avoir un chantier à visiter. Juste que Le tu plus dois le important dans ce genre de déclarer en cas, c'est fait. qu'il sache où tu es, quoi. Ouais. Tu dois pouvoir le déclarer en fait, c'est tout. Oui. S'il fâche avec tes poils, là, ils vont se poser des questions, mais si t'as Ouais, prévenu, et ils vont bon, se poser des questions. et pas quitter le pays aussi, mais là tu vas pas quitter le pays, on va juste aller en dehors de l'État ou à côté de l'État, enfin j'en sais rien pas exactement, mais t'as quelques heures de route, quoi. Écoutez, si vous arrivez à arranger ça, on va bien ma pouvoir m'arranger avec la police. Ok. Du coup, voilà, moi je vais prévenir, je passe un coup de téléphone avec mon téléphone pour essayer de choper la personne que je connais pour voir un rendez-vous le plus tôt possible. Et pour l'instant, je m'éloigne un peu pour passer mon coup de téléphone, puis je reviendrai après. Une autre question. Alors, je prends ma casquette de MJ. En premier, il faudra qu'on décide quelle famille tu as exactement là-bas et qui sont les personnages par rapport à ta famille. Il faudra qu'on câble ça de façon sûre et certaine pour qu'on ait juste nos violons. Ouais, bah toi tu m'as dit que c'était un. Oui. Il me semble que tu avais donné le nom la fois dernière, mais du coup je ne l'ai pas noté. Il s'appelle Eric Erickson et puis voilà. Mais bon, mais voilà, dans tous les cas, ça serait bien de, voilà, de définir un peu quelle famille tu as encore, qui est loup-garou ou pas, hein, etc., etc., qu'on définisse un peu. Parce que moi dans ma famille il me restait que ma sœur. Après t'as dit que j'avais un oncle du coup pour la meute et voilà après Mais, après ça t'arrange quoi. ouais, mais en gros, il y a une meute là-bas, quoi. Ouais, Il y a une et meute après là-bas, et du coup, peut-être qu'ils ont. Si t'as pas tes parents, peut-être que tes parents ont fait partie de cette meute et qu'ils en sont morts, tu vois.
Ah, d'accord. Parce que, oui, Parce mais que pour je veux moi, à dire, la c'est ça. base, dans ma vision, créée au départ, la famille était de Boston, en fait. Après, tu m'as dit que du coup, faut pas qu'il soit de Boston. Du coup, j'ai pas trop réfléchi à d'où ça pouvait être, en fait. Moi, je considère que là, tu vas retourner littéralement dans ton village Natal. de prime D'accord, ok. de ton adolescence, quoi, de ton enfance, quoi. Ok, j'avais pas trop ça, cette vision-là, moi, du coup. Donc, il y a plein de gens que tu connais là-bas, en fait. Ouais. Dans tous les cas, c'est une voix féminine qui te répond. Ouais. Et qui te dit que bah, qu'elle prend le message et qu'il te répondra dès qu'il sera de retour, quoi. Ok. Donner une date, quoi. D'accord. Bah, il te répondra d'ici une paire d'heures, quoi. Ok. Là, je reviens en disant que j'aurai la réponse dans quelques heures. Et je redis d'autres que. Êtes-vous sûr que votre logement vous convient pour votre sécurité ou préférez on essaye de soit de vous déposer dans un autre lieu, soit que l'un d'entre nous vous héberge? Hein, l'informaticien? Bah, pour changer un peu, tu vas pas toujours prendre tout le monde. Et l'informaticien, en plus, il doit déménager ses affaires parce qu'il s'est fait virer il a un mois pour déménager, je crois. C'est Ouais. beaucoup. D'ailleurs, Une semaine, je crois. Semaine. Ouais, une semaine. Bah moi je peux aller à l'hôtel, hein, sinon pendant si c'est pour une semaine ou voire deux, voire trois. Comme vous préférez, hein, Après, c'est si là où vous 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 pouvez sentez plus en m'héberger, je sécurité. prends. C'est plus une question de confiance aussi, hein. Est-ce Bah, que Arnold, toi, bon, en gros, tu l'hébergerais, toi? je prends pas de place, même faut juste une chambre avec plein de prises de courant. Alors, John Oliver, je peux l'héberger. Arnold, je sais pas, je n'ai pas confiance. Je suis désolé, hein, mais... Justement, étonnamment, enfin, c'est pas que j'ai confiance en Arnold, mais c'est qu'il m'inspire moins de crainte que quiconque, en fait. Pourquoi crainte? Bah, il a l'air tellement inoffensif que, bah, C'est là limite, il l'idée. n'y a pas de doute. Enfin, c'est du doute plus que de la crainte. Ok. Bon, écoute, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas, hein, mais c'est. Non, mais l'hôtel, ce sera bien. Ouais, ok, bah, pas Ok. de problème. Bonne chance avec Léa et les puces. Oh! Ah, il veut T'as prendre jamais un été à l'hôtel hôtel. de ta vie ou quoi? Si, justement. Ah bah je sais pas. Faut pas non plus être radin, hein. C'est pas parce que tu payes un hôtel 12 euros que qu'il y a des. Faut s'étonner après, hein. Non, je pense qu'il voulait parler de la situation dans cette région-là qui était pas mal investie par les. Ok. Dans tous les cas, du coup, il y a quelqu'un qui y va au rendez-vous ou pas? Avec les purs. Moi. Non. Ok. Et les autres? Non, bah, je pense Bah pas. non, de toute façon, c'est le rendez-vous de John, donc du coup, s'il y va pas, on y va pas. Ah mais je sais pas, Alcide t'as dit pas moi, c'est ça? Ouais, pas moi, mais Ah. je pense que le reste non plus. Hein. J'avais compris J'avais entendu moi. ben moi aussi. Ouais, c'est vrai, du Pardon. coup, voilà. Ok, donc personne n'y va, très bien. On aurait peut-être dû les surveiller quand même un minimum en fait, mais Non, parce bah. qu'on n'aurait pas serait pas arrivé à les surveiller, je pense qu'on serait fait griller très vite. Mais la question c'est du coup on fait quoi? On t'a appelé tes proches et on s'est cassé le soir même ou? Bah, ça va dépendre de ce qu'ils vont me répondre. Eh bah, tu as une réponse qui en gros te dit. Enfin, il te rappelle quoi. En gros, lui, il a besoin quand même de temps pour mobiliser tout le monde en fait. Donc, il a besoin d'un minimum de, il a besoin de 2 jours histoire de pouvoir lancer les trucs. Ça vous fait arriver, il pourra vous enseigner ce qu'il sait et il aura lancé en amont bah, les trucs et les gens arriveront après. Ok. Voilà, donc une fois que vous aurez fini la formation de base, entre guillemets, vous aurez le reste, quoi. Voilà. Bah, Donc. du coup,
Je regarde où il faudra aller. J'en parle avec du coup Ben et Arnold. Et je dis que on va soit on a un véhicule, soit on va louer un van pour le week-end, enfin tu sais, dans l'idée. Et on va pas tous partir ensemble. Et du coup, après, j'appellerai le personnage de John. Je ne laisserai pas de message, hein, mais je l'appellerai et en vive voix au moins. Et je lui dirai, bah écoute, pour le rendez-vous, c'est à quelques heures de route et on passe te prendre. On va tous avec la même camionnette. J'aurais expliqué le problème de John au niveau de la police à mon contact, du coup, pour voir s'il y a une solution ou pas. Après, peut-être que la police n'a pas de problème. Hein. En 2 jours, il n'a pas non plus été en cadet, quoi. Pas eu de problème. Bon, ton contact au téléphone, pour la police de Boston, rien à péter, quoi. C'est pas son affaire, hein, mais. Non, mais s'il n'a pas quelqu'un qui peut aider là-bas sur place, dans ses contacts à lui, tu sais, qui peut se porter garant à part une fois n'est Ah, oui, d'accord, je vois. Oui, bah, il te donne le nom du shérif local, quoi. Il le connaît Voilà. bien, donc voilà. D'accord. Ok, Problème, quoi. voilà. Du coup, et du coup, je dis à John en contact local, enfin, je dirais à John qu'il peut appeler la police pour se déplacer. J'ai le nom du shérif dans une ville où on va à côté. Pourra se porter garant de son voyage. Ok. Les informations qu'il a besoin. Mais je dis tout par téléphone et non pas par message. Ouais, on sait jamais. Son téléphone était piqué ou tracé. Il est pur, faut pas que les prendre pour des cons, ils sont peut-être technologiques. Peut-être. Non, on est invisible, on reste dans la pièce pendant qu'il écoute. Ouais. Non, bah du coup, moi je vais aller voir McAllister, je vais lui prévenir en avance du voyage, etc. Bref. Je vais Après, faire les choses bien. tu bonimentes en disant que c'est pour un truc professionnel ou un. Enfin, voilà, tu vas visiter un lieu. Bah, je lui dis que je pars et après, si elle me demande pourquoi, je justifierai d'une façon ou d'une autre. Si elle me demande pas et qu'elle dit ouais, c'est bon, votre cas, il n'y a pas de problème. Bah, Pas elle te m'emmerder. demande juste un numéro où elle peut te joindre au cas où, quoi. Ouais, Et puis voilà, bah, voilà, je donne mon quoi. numéro de téléphone. Voilà. Voilà, problème Ouais, réglé. y a pas de souci. Et donc, il vous reste 2 jours. Vous voulez Moi, je faire? propose qu'on se casse. Bah, moi, j'aurais été Qu'on regarder s'éloigne de la des. ville. Moi, j'aurais passé mon temps à regarder des vidéos sur la traque des animaux, des trucs dans le genre, tu sais, pour essayer de trouver un moyen de nous protéger, enfin, de cacher nos traces, en fait, aux autres garous, quoi. Moi, je regarde le premier épisode de Teen Wolf et je dis, c'est vraiment des grands Vous voulez pas J'ai faire pas quelque chose de vu. constructif? On Donc, peut se casser? par contre, si pour se casser, qu'est-ce que je fais? Par contre, je vais embarquer ma soeur, moi. Ouais. Ouais, je vais l'embarquer parce que j'aurai un peu mal confiance en les purs, on sait jamais s'ils essayent de retracer. Du coup, puis je vais la ramener dans le pays natal. Mais attends, me fais Peut-être. pas approcher justement, quoi. Non, mais, ouais, mais les mecs, ils me connaissent un petit peu, peut-être qu'ils connaissent mon identité, ils pourraient remonter à elle. Et du coup, le fait qu'on soit pas là. Ça peut être une source de chantage, donc je partirai bien avec elle et la famille dans l'idée où elle part un peu avant pour qu'elle elle va voir tonton John, etc. Enfin, tu sais, genre réunion de famille, barbecue, tu vois. Oui, mais je pense que l'idée, c'est qu'ils ne l'auraient peut-être pas approché si on la prend avec nous. Du coup, ils vont comprendre qu'elle peut servir de moyen de pression sur toi. C'est Ouais, comme mais idée, si on quoi. C'est part avec pas mon avis, avec mais. elle, si on la. Attends, mais si elle part pas, elle peut servir de moyen de pression de base. Non, parce que tu cherches pas à la protéger, tu l'approches pas ta sœur, on l'a eu que par téléphone. On vient de dire ça à MJ devant nous. Le MJ est déjà en train de préparer le ravissement. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais, moi je préviens aussi mes proches pour que je m'éloigne de la ville quelques jours. Je m'assure que les trucs de sécurité sont en place, tout ça, que les équipes tout tournent bien avant de me casser quand même, parce que j'ai quand même une boîte à faire tourner, supposément. Par contre, je suis D'où totalement toutes ces honnête pour conneries. avec ma sœur. Je lui dis exactement ce qui se passe pour qu'elle. Après, si elle dit qu'elle s'en bat les couilles, qu'elle veut rester, bon, bah, voilà. Mais. Non, pas forcément. Oui, elle peut te suivre, un peu de problème. Après, voilà, elle part avec femme et enfant si elle a, et puis elle va voir la famille. C'est vraiment passé quelques jours, le temps que nous on fasse notre formation de notre côté pour qu'on revienne en warrior. Et comme ça, que s'ils vont s'en prendre à Ah la oui, sœur. je pense que même ton contact t'aura dit de venir avec elle, en fait. Hein. Je pense qu'il t'aura D'accord. conseillé de venir avec elle quand même, de toute façon. Et de venir avec toutes les personnes qui sont éventuellement
Biologiquement lié à vous, en fait. Ok, bah du coup, ouais, on a pris ça. Est-ce que je demande... j'aurais posé la question du coup à mon contact, est-ce qu'il faut que les autres membres qui viennent avec nous doivent venir avec leurs proches aussi, ou pas? Ouais, oui, ils peuvent. D'accord, bah, du coup, j'ai transmis l'information à vous trois. Faites réserver un bed and breakfast ou un truc comme ça pour eux, en fait, okay. pour leur faire croire que c'est des vacances, des choses comme ça. Parce que, ils seront moins occupés que vous, quoi. Okay. Qu'ils aient de quoi divertir. Ok, bah je transmets bien ça à tout le monde pour voir si vous avez des proches. Bon, j'ai pas de proches, mais j'ai un pote. Tu vas amener ton pote si t'es si proche que ça. Bah oui, d'ailleurs, faut que j'appelle mes potes, ça fait penser. Du coup, je leur rappelle, je leur dis, ouais, j'ai une petite embrouille avec les keufs, là, un petit truc qui a foiré. Voilà, attends. Du coup, j'ai mis au vert pendant une semaine. Ouais, toi, tu te dis, ton seul problème, c'est ça. Le fait que tu sois viré de ton appart avec tes biens, etc., et presque viré de l'université, enfin, presque, hein, ça t'inquiète pas plus? En fait, tu nous en as parlé ou pas de ça? Oui, bah oui, bah si, parce que je devais squatter chez les trucs chauds. Okay. Alors, avant de bifurquer sur toi, Captain, est-ce qu'on peut finir avec Alcy parce que... Ouais, bah, vas-y. T'as quelque chose d'autre à dire, Alcy? Non, attends, je réfléchis. Bah, moi, c'était plus pour préparer le voyage que j'aurais fait essentiellement de mon côté. J'aurais bien amené ma copine journaliste, mais bon, je vais pas pouvoir être au taquet avec elle, donc ça... Alors, il t'a dit plutôt les gens liés avec le sang, hein, pas forcément le N+1, quoi. Enfin, le plus 1, quoi. D'accord, bah, voilà. C'est ça, c'est... Coup, j'aurais trop... C'est frères, sœurs et éventuellement parents, quoi. La famille, ok. Ouais. Bah, du coup, c'est plutôt ça que j'ai transmis. Du coup, désolé pour toi, Arnold, donc c'est pas ton meilleur pote, à moins que tu aies des liens du sang avec. Mais... Ça fait des pouces. Et donc, du coup, voilà, c'est... Ok, donc j'ai fait ça. Donc non, je préviens d'autres personnes. Par contre, après, si je vais... donc je me serais occupé, moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais m'occuper de ça. Et après, je voudrais m'occuper, en ce qui concerne un peu Arnold, de sa situation. Tu sais, bah, lui retrouver un appart, etc. Enfin, trouver un moyen, un truc. Et puis peut-être voir après avec Ben aussi, au niveau de son entreprise, pour l'aider aussi... voilà, tu sais, des contrats de gardiennage, si dans la sécu ils font ça, enfin, je sais pas exactement ce que tu fais, enfin, essayer d'apprendre un peu plus sur Arnold et sur Ben, on va dire, leur vie IRL, quoi. D'accord. Enfin, d'avoir un moyen de pression pour les... Ah, pardon, désolé, je crois que j'étais pas en contact. Ouais, pas de soucis, mais du coup, bah, éventuellement, vous pourrez faire ça en RP, hein, directement, hein, pas besoin de moi. Ça me va, donc du coup Arnold, qu'est-ce que tu voulais faire? Bah, comme dit, bah du coup, si je dois venir sur mes potes, c'est pas grave. Mais je leur téléphone quand même pour dire que je me mets au frais pendant une semaine ou deux, là, histoire de régler mon petit différent avec la petite bévue que j'ai faite. Je leur dis pas ce que c'est, hein, je leur dis que j'ai fait une petite connerie là, ça s'est bah, mal passé. Ils te demandent, t'es sûr? Ça va être une semaine importante là, pour la fac. Oh putain, t'es fourbe. Vas-y, entre ton avenir et ta nature. Au moins pour l'appart, je vais le mettre au frais. Pour les... Bah, il faudrait au moins que tu puisses être là les 5 prochains jours, quoi. Donc, t'as pas moyen que tu retardes ta mise au frais de 3 jours. Ça te permettrait de finir les examens, quoi. Ouais. Bah, du coup, on part quand? Dans 2-3 jours, c'est ça? Bah, moi j'avais dit 2 jours, je crois, c'est ça. Hein. Ouais, 2 jours. Il faut une demi-journée pour y aller, un truc comme ça, quelques heures. Oui, c'est ça. Il y a moyen que tu fasses temporiser sur place. Parce que bon, après, si je rate les examens, je suis grillé, quoi. Enfin, je peux toujours... enfin, sur les MIT, quoi, tu vois, quoi. Tu repasses pas ton année comme ça, quoi. De toute façon, si tu rates tes examens et que tu les passes pas, t'es viré d'école. Oui, bah c'est pour ça, quoi. Donc, on va s'emmerder, hein. Ils prendront ton chèque, hein, mais ils vont te virer. Après, il n'y a pas des clauses de suspension, genre, je suis malade, j'ai mal au cul, j'ai mal au nez... Ouais, un bon truc maladie. Ouais. Il faut qu'il soit béton, quoi, mais... Oui. C'est genre le Covid-19, tu vois. Après, si on avait des moyens de pression sur la flic, j'aurais pu être... Bah voilà, hein, t'as... Voilà ce que tu dois préparer. Pas en observation, pas en quarantaine, en... Cool.
Ouais, mais pas en tôle, non, le truc avant la tôle, là, quand ils te mettent en cage, l'histoire de qu'il fasse un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, je suis pas sûr que parce que tu aies été en tôle, en garde Ouais, la à garde à vue, vue, ouais. que c'est un justificatif pour pouvoir repasser ses examens après coup. Bah si, parce que du coup, il peut pas te présenter. Je vois bien la moitié des étudiants qui ont pas leurs examens qui ont décidé de faire un braquage juste pour dire non, mais c'est juste pour pouvoir aller au rattrapage. Bon, c'est une excuse comme une autre, hein. Ah, je vais rater mes examens cette année. Allez, je fais. Pas de C'est soucis, un mais je t'appuie, hold-up. c'est Wesson. Bon, je pense qu'après ça dépend de quoi t'as accusé aussi quoi. Mais bon. Oui, bien sûr. Non mais bah, je vais, du coup, je vais regarder le contrat vite fait et puis je vais Ah au fait bah je passe un coup de fil à l'avocat qui gère mon dossier par rapport aux flics concernant Ouais. la police quoi. Et je lui demande ce qu'il en pense. S'il n'y a pas moyen de me faire porter pas sans perdre mon année quoi. A été violenté par la police. Bon, c'est toujours possible, mais bon, j'ai donné beaucoup d'efforts juste pour gagner 3 jours, quoi. C'est pas plus simple de participer, quoi. Le meneur. Bah, après, ça me fait arriver qu'une journée trop tard, quoi. S'il y a 2 heures, 2 jours de route, une demi-journée pour y aller, ça fait 2 jours et demi. Ouais, vous pouvez commencer à faire connaissance, vous installer, et puis j'arrive après. Ouais. As you want, hein. T'es sûr parce que je te rappelle que les purs ils savent où t'habites. Bah non, j'ai plus de maison. Ouais, enfin, ils Ouais, mais savent je où veux te dire, ils savent trouver, que quoi. t'es. Ouais. Ah, dans la fac, je suis pas sûr. Moi, je vote et je vote pur. Ouais. Prends un accent allemand quand tu dis ça, je vote pour le côté pur. Ah, je vote pour les côtés purs. Il fait mal ton accent allemand un peu quand même. Bah, c'est Bref, normal, je l'ai appris dans la septième compagnie. donc on ne sait pas ce que font les purs. On les a énervés en... Enfin, John les a sûrement énervés en n'allant pas au rendez-vous. Ils doivent nous prendre pour une cible et on se casse avec nos proches, c'est ça? Seulement le SE que t'as un lien du sang ou vraiment très plus, tu sais, le mari de ta sœur ou un truc comme ça. Bah après, si vous voulez venir avec plus de gens, vous pouvez, mais dans l'absolu, lui, ce qui l'intéresse, c'est les gens qui sont liés à vous biologiquement, quoi. Il veut avoir la notion de sûrement de parentèle, je pense. Ouais. Après, c'est comme un séminaire et si tu invites du monde en plus, bah t'as faut les occuper, quoi. C'est juste qu'ils vont pas te voir. T'as intérêt à avoir un beau bar. C'est Dis, ça. je fais mes examens. Et c'est obligé de ramener un membre de sa famille? Non, ça si tu veux. Ah, si tu dois, surtout. Non, c'est mieux pour la personne, mais c'est pas obligé, non. Ok. Moi, je comprends, genre, si tu veux que ta famille soit au courant, tu les ramènes, comme ça, ils sauront quoi s'en tenir. Sinon, bah, tu les ramènes pas. Bon, bah, Je pense ouais. qu'ils vont faire des tests sanguins. Non, mais Oui, je te pose une c'est un peu question de l'idée, quoi. sécurité, C'est moi. un peu l'idée de savoir si votre famille proche est potentiellement un futur loup-garou. C'est un chaman Et qui passe, quoi, qui regarde. potentiellement, il peut être intégré à la meute, en fait. Non, ma famille proche n'est pas un futur loup-garou. C'était loup-garou. D'ailleurs, ça se transmet comment, cette maladie? En Va falloir fait, que j'enquête dessus. quand tu nettoies pas correctement les toilettes, bah voilà, ça se transmet. Nettoyez bien les toilettes. Du coup, examen ou pas examen? Pas comme ça qu'on fait plutôt les bébés? Ça s'appelle les toilettes publiques. Mais je sais pas, dites-moi. Moi, c'est clair, moi non, j'ai pas d'examen. Dieu. Bah, moi, je vais me concentrer sur mes examens, donc du coup. Ok. Ah bah. J'essaie de prendre pas mal de précautions, genre je loue une voiture de merde, je dors dedans pendant une semaine, enfin, je compte dormir dedans pendant 3 jours, je la déplace toutes les 2 heures, des conneries dans le genre, tu vois. Tes examens durent combien de temps? Une semaine? Bah, 3 jours. 3 jours? Alors, une semaine, je pense, c'est pour avoir les résultats, quoi. Enfin, je suppose. De toute façon, on t'a donné un Bon, rendez-vous je. dans la ville et tu nous appelles quand tu arrives et on vient te chercher. Ouais, ça marche. On va faire comme ça. Et puis bah bonne chance pour tes examens. Prends une photo. C'est genre avant et puis après. Mais avant et après quoi? À ta vie et ta mort. Ah oui. Pas sûr que tu survives après cette semaine d'examen. Bah. D'ailleurs, avant votre départ, tu vas recevoir un petit coup de fil, mon petit Ben. Ouais.
Ouais, ça sent, hein. Ça c'est gros comme un camion. Ah bon? Non. C'est pour ça que moi je vis le. Mon personnage il est toujours au chômage. Parce que je sais que moi j'ai pas ce genre de merde. Il vient de recevoir un chantier de minutes. Morgan. Budikoff. Bodikoff qui s'appelle. Et qui te dit patron. Ouais. Bonjour Morgan, comment vas-tu? Ça va, mais comment dire. On vous a pas trop vu ces derniers jours. Ces dernières semaines au taf. Oui, j'ai eu quelques problèmes personnels avec des chevilles. Il se trouve qu'on a pas mal de contrats qui ont, comment dire, qui nous sont passés sous le nez récemment à cause d'une, enfin, qui on s'est fait battre sur des appels d'offres. Je m'étais dit que peut-être que si vous faisiez un petit peu de, comment dire, des galas, des soirées, des choses comme ça, pour vous montrer, ça pourrait nous permettre de regagner quelques contrats, quoi. Tout à fait. C'est quand le prochain? Bah dans 2 jours. Quel hasard! Comment j'ai senti venir en tant que joueur? Comment non, ce truc John en scénario? John et moi, on va aller à la réunion des garous, hein, et on vous racontera, on enverra des photos. On dira comment. Attends, c'est pas encore tombé sur moi. Hein. Là que le client de mes rêves arrive et qu'il me dise ta carte blanche, tu vois, il y a 2 milliards d'euros, enfin de dollars. Par contre, t'as 2 jours pour faire le plan. Ça, il me le faut pendant 2 jours. L'architecte qui était en charge vient de crever. Là, on est les premiers sur la liste. Faut donner un projet. T'as 2 jours pour le faire, John. Toute la boîte compte sur toi. Par contre, si tu fais, on va s'associer. Par contre, ils sont vachement doués, les purs, pour nous niquer. Ouais. Ils sont vachement forts pour trouver tous nos points faibles, alors que nous, on est même pas capable de trouver un seul de nos points forts. Et pendant votre temps d'absence, vous avez pu enquêter sur les assassins de... Enfin, la fuite de gaz? J'ai pas réussi à trouver d'infos pour l'instant. Mais clairement, c'est louche. Et clairement... Est-ce qu'il y a un concurrent qui est sorti du lot ces derniers temps? Ah bah en tout cas, il y en a un qui nous a niqué tous nos contrats. Hein. Enfin, tous les appels d'offres. Quoi. C'est toujours le même? Le plus souvent, ouais. Bah, je veux bien son nom. New Horizon. Ça sent le truc de connard. C'est le nom que le joueur met, enfin le meneur met pour dire, tu vois, ça c'est les bad guys. Non, surtout que le nom était prêt, il a pas hésité, le MJ. Bah. J'avais chargé, c'est tout. Ok. Bah, on va commencer à enquêter sur eux. Et laissez traîner vos oreilles sans vous faire griller non plus. Hein, enfin, sans voir si New Horizon, s'ils sont nouveaux ou pas et ce qu'on sait sur eux. Quoi. Ce qu'on peut savoir sur eux. Sans creuser, sans chercher, sans enquêter. Mais juste regarder rapidement sur internet. Quoi. Mmh. Je vais faire pareil de mon côté et je vais creuser plus profondément. Après, t'as Arnold hein, pour t'aider, s'il révise pas ses examens. Oui, c'est ce que je pensais faire. Ok. On va le faire réviser ses examens en pen-sec. En pen-test, excusez-moi. Mais, enfin, disons que si on trouve pas de contrat très rapidement, il va falloir réfléchir à licencier, quoi. Oui, bah, écoute, je vais faire mon travail et puis on va retrouver rapidement des contrats. Après, t'as eu plein de morts, ça suffit pas. Oui, c'est pas faux. Au niveau de ma charge salariale, on a pas mal perdu ces derniers temps. En plus, si vous aviez des assurances-vie, c'est bon. Ça... Oui, mais vous avez envoyé 1 000 $ à chaque famille, hein. Ouais, enfin, y a pas non plus 3 000 familles qui sont mortes. Hein. Et puis même, 1 000 $ pour un mec qui est mort, ça va, je trouve. Hein.
En plus de l'assurance. Ah bah mais on perd les intérêts, quoi. J'espère que vous avez mis des flots. Ouais. Bref, moi j'ai fait mon travail, je vous ai communiqué l'information. Ouais, mais très bien, c'est... je te remercie de m'avoir alerté. T'aurais peut-être dû m'alerter un peu plus tôt, par contre, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, c'est compliqué pour un employé de faire des reproches à son patron. Hein. Non, alors, avant de faire de reproches, on monte des alertes. Non. C'est une alerte. Oui. Sauf qu'en fait, l'alerte, il faut la monter avant qu'il y ait le feu. C'est le principe d'une alerte. Mais il n'y a pas encore le feu. Il n'y a pas encore le feu. Si ça traîne comme ça encore une semaine ou deux, il y aura le feu. Bah, s'il te reste deux semaines de survie à ta boîte avant qu'il y ait le feu, c'est que t'as déjà dépassé le cadre de l'alerte de base. Non, il reste pas deux semaines de survie. Il reste deux semaines de survie sans licenciement. Ah, si on licencie deux, trois personnes, on y arrivera, quoi. Y a pas de soucis. Ah, mais... Tu pourrais peut-être supprimer la secrétaire. Vu comment tu la trouves incompétente. C'est peut-être elle ton problème. Ouais. Bref. Eh ben écoute, on va se renseigner. Fais chier. Puis, y a quand même une ligne dans les paiements que je comprends pas trop. Il est marqué. $5,000 tous les mois à un établissement Sainte-Anne, quelque chose. Bah, je fais pas ça avec, avec les sous de la boîte. Hein. Bah, bien sûr que si. C'est déductible des impôts comme ça. Ouais, non, c'est illégal ça. Non. T'as le droit de faire des dons en tant que société. C'est une association. T'as le droit de faire des dons, t'as le droit. Non, au contraire, ça te fait payer moins de taxes dessus parce que, c'est un salaire que tu te donnes pas, donc t'es pas imposé sur le revenu dessus en fait. Ouais. Et donc? Bah, ça me regarde pas, mais voilà, enfin, c'est une dépense qui est quand même non négligeable quoi. Ta secrétaire, prends un robot. On en parlera plus tard. Et de toute façon, si je fais bien mon travail, ça sera pas une question. Bien sûr. On peut vous attendre de vous voir à la société dans les prochains jours. Oui. Elle va t'envoyer par mail une confirmation de tous les événements auxquels tu pourrais participer, où t'as des invites, etc. Voilà. T'es occupé toute la semaine, quoi. C'est un peu l'idée. Ok. Rendez-vous avec le maire, rendez-vous avec avec des industriels de la défense, l'armée, une société de transport pétrolier qui veut protéger ses navires, etc., etc. quoi. T'as plein de rendez-vous, donc dans plein de salons, plein de trucs comme ça, quoi. Ok, bah écoute, je les honore. Par contre, je garde toujours un œil autour de moi pour être sûr que les purs sont pas en train de tenter de nous niquer, tu vois, ou de me choper. Mais j'essaie vraiment d'être hyper efficace pour ramener un max de thunes et. La question, c'est ceux qui sont après l'heure de départ, dans les jours après, tu y vas, tu retardes, tu fais quoi? On n'est pas censé partir trois semaines non plus, on est censé partir une journée ou deux, tu vois. Un week-end, j'ai l'impression. On est d'accord? Ah non, ça va être plus long que ça. Ça va être plus long que ça. Je pense qu'il vous a dit au moins deux, trois semaines, quoi. Ah ouais, là, moi, j'ai pas pensé ça non plus. Hein. Ah ouais, moi, j'ai compris que c'était d'accord. C'est un week-end. Excuse-moi, moi j'avais pas compris ça non plus. Bah, je vous ai dit que la première partie c'est 5 jours et que ça va laisser le temps aux autres de venir. Et voilà, donc la deuxième et troisième partie ça c'est 5 jours aussi, donc voilà, ça fait vite 15-20 jours quoi. Donc voilà, 3 semaines c'est 21 jours. Hein, donc. Alors vous serez pas à fond pendant les 3 semaines, on est d'accord, hein, mais voilà, c'est pas un stage commando que vous allez faire, hein, mais. Ok, du coup, je m'arrange avec les équipes pour que les équipes du commerce aillent au rendez-vous qui sont pendant la période où je peux pas y aller moi, tu vois, en les briefant, en leur donnant des infos qui peuvent être utiles ou des choses comme ça, enfin,
Ok. J'essaie, je leur explique que là, je vais avoir entre guillemets une formation. Je pense que... Ouais, mais le truc c'est que souvent les patrons ils aiment discuter avec les patrons d'en face, tu vois. Si tu envoies le commercial, bon bah ils se sentent moins. Oui, ils se sentent. Oui, je suis d'accord. Moins haut quoi, moins bien traité quoi. On est d'accord, je sais. Mais le problème c'est que là j'ai une formation que je peux pas recaler en fait. Donc soit on y va, on envoie le commerce pour les. Est-ce que moi... Alors après, j'avoue que je suis pas patron non plus, donc il y a moyen de leur d'obtenir qu'ils repoussent un peu temporairement. Il y a certains rendez-vous, même si je sais que tous diront pas oui, mais. La secrétaire va voir ce qu'elle peut faire. Moi, je dirais, si t'as déjà ouais. 10% de gens qui recalent, t'es chanceux. N'hésite pas à faire des petits cadeaux, des choses comme ça, pour les encourager, quoi. Ah, ça aide. Très bien. Et si les... Si ça peut aller, enfin... En gros, négocier que... En échange de leur attente, on fasse un rabais, genre 5... 10%, tu vois. 10% peut-être pas, mais... En gros... Non, mais je bah, restez en contact. Enfin, je vous transmets ce que j'arrive à faire. Je vais me débrouiller. Vous pouvez compter sur moi, patron. Ouais, pour les plus, super bien. Je paie bien en même temps, donc je compte sur elle. Elle essaie de sauver ma boîte, je vais pas la tuer. Pendant ce temps, John, tu as un petit coup de téléphone. Pardon ? Tu as un petit coup de téléphone. Je décroche. Allô, John ? C'est Sophia. Ah, Sophia. T'as pas marié, non ? Non. Tu vas bien ? Oui, enfin, mieux et toi ? Ah bah, moi ça allait à peu près bien. Enfin, j'ai beaucoup de choses qui tournent dans ma tête, j'aimerais bien qu'on discute de ce qui s'est passé, si ça te dérange pas. Non, pas de soucis. Bah, tu veux faire ça quand ? Bah, le plus tôt possible, j'aimerais bien, ça me permettrait de peut-être évacuer ce qui traîne, quoi. Eh ben, ce soir, au resto, je lui dis un nom de resto classique et on y va. Je suis pas à Boston. Et où ? En Floride. En Floride ? Bah, chez mes parents. Attends, tu te fous de ma gueule ? Il y a un jour, elle était à l'hosto et là, elle y est plus. Elle est partie en Floride. Bah oui. Je suis chez mes grands-parents. Enfin, c'est la maison de famille de... Maison de famille, quoi. Et pour mettre au vert, quoi. Bah, j'ai pris le jet privé de la famille, quoi. Tu vois, donc. Ouais. Bah, en plus, mes parents ont pas trop aimé le service de sécurité des hôpitaux de Boston. Ils ont dit qu'ils laissaient rentrer n'importe qui, j'ai pas bien compris. Mais. C'est eux qui m'ont fait rentrer, donc je comprends pas, mais. C'est pas, mais ils ont reçu des coups de téléphone étranges aussi, donc voilà. Bref. Dans tous les cas. Voilà. Si je compte vraiment pour toi, il faut que tu viennes. Oh. Ce MC bâtard. Bah, je peux passer, mais ce sera pas tout de suite. T'imagines bien qu'un voyage en Floride, ça s'organise un peu. Le jet t'attend, il est sur le tarmac. Ah non, il va faut que j'achète mes maillots de bain, que je fasse mes slips et tout ça, quoi. Très bien. Fais comme. Fais selon tes priorités. Je pense que tu seras encore là d'ici une ou deux semaines. Peut-être. Moi, je pense qu'il devrait poser la question qui tue. Pourquoi tu veux qu'elle vienne ? Enfin, ouais, je veux que tu viennes. Est-ce que tes parents sont chez toi ? Non, j'arrive. Ouais, tu peux sentir qu'il y a un petit peu de ça, mais bon, voilà. Il y a quand même une personne en détresse qui est au bout du téléphone. Hein. Tu le sens, tu la sens. Ah, tu as quand même fait violer, je crois. Non.
Bah, il me semble, c'est ce que j'ai compris là-bas. Non, c'est... Elle a dit à ses parents que toute l'équipe de football lui était passée dessus, mais il n'y avait pas d'équipe de football. Donc, quelqu'un l'a bien fait. En même temps, si tu la pousses à bout, elle sera plus en détresse. Hein. Ouais. Là, tu vas apprendre que tu es papa. Après, Sophia, tu as mon numéro de téléphone. Hein. Si jamais c'est trop dur le temps que j'arrive, tu peux toujours m'appeler. Elle est toujours disponible pour toi. Un FaceTime. D'accord. Une voiture de maître en bas avec un chauffeur. Il t'attend. Les deux gardes du corps qui sont prêts à me tabasser pour m'embarquer. T'as une famille très, on va dire, très... Voilà. Très spéciale. Non, non, c'est pas à ce point-là, mais très bien. Très bien. Bah, pour le coup, ils sont quand même repartis. A priori, c'était urgent de me parler, mais elle est quand même repartie en Floride. Sans même m'appeler, c'est quand même spécial. Ah bah, le fait qu'elle soit allée en Floride, c'est pas de son fait. Hein, mais... Ouais, mais bon, elle a un téléphone portable et elle a mon numéro. Donc, a priori, c'est de son fait de pas m'avoir appelé. Bah, elle vient de le faire, quoi. Oui, c'est le choix. Ouais. Bah, je sais pas, hein, mais moi je suis jamais allé dans un aéroport et j'ai pas attendu et sans attendre au moins une heure, donc passer un coup de téléphone. J'ai privé de téléphone en fin de compte de la prévention. Ah ouais. Quoi, au restaurant, c'est d'aller en pisser pour aller taxer le téléphone. Du pisser, passer par là, tout ça, rien. Puis techniquement, son téléphone à elle, il a été saisi par la police. Donc. Tu vois, la police l'a pas emmerdé. Elle a pu rentrer loin du pays. Bah oui. Bah, oui, c'est la Floride. Hein. Bon, après, ses parents, voilà. Hein. Tenez pour les familles des policiers morts en action. Hein. Voilà. Marrant, je me rappelais pas qu'ils étaient aussi blindés de pognon, la famille. Ben, elle te l'avait jamais dit, parce qu'elle aime pas trop qu'on l'aime pour son argent, tu vois. Alors, mais c'est vrai que maintenant, en y repensant, elle a pas de problème pour se payer des doses. Hein. Mais. Après, quelque part, je suis rassuré qu'elle soit en Floride, elle est loin des purs. Enfin, loin des vôtres, il y en a peut-être là-bas. Hein. Ouais. Mais ils savent pas qui c'est, donc déjà... Certes. Il est là. Quart d'heure encore. Bah du coup, très bien. Très bien, hein, y a pas de soucis. Bah, elle raccroche un peu triste, mais voilà, pas très très... Elle est pas énervée. Elle te rappellera si elle en a besoin. Chouba, tu voulais dire quelque chose, non, avant que je bifurque? Je suis désolé, ouais. Si je t'ai coupé un peu, mais... Ouais, je disais juste que je faisais des recherches sur la New Horizon pendant les temps, entre les réunions, tout ça, pour, entre autres, essayer de voir si j'arrive à trouver leur personnel et des photos de leur personnel, si je reconnais des gens, en fait. Genre le mec sur qui j'ai tapé, tu vois. Ah, alors... Tu vas reconnaître des gens, effectivement. C'est, tu vas en reconnaître 2-3 personnes qui sont qui ont été candidats chez toi. Voilà, qui ont soit été acceptés mais qui ont refusé de parce qu'ils avaient d'autres, ils avaient trouvé mieux, ou qui ont été refusés par tes équipes, quoi. Voilà, t'as pas forcément participé aux réunions de recrutement et tout, donc c'est des gens que t'as juste croisés, quoi. T'as pas d'infos détaillées sur eux, tu peux éventuellement essayer de retrouver leur CV, etc. Mais voilà. Et comment dire, t'as pas d'image enfin, les images que tu vois, c'est que des débutants, en fait, c'est que des jeunes. C'est que des jeunes qui ont le profil de base, c'est, voilà, ils ont... Ils ont quitté l'armée parce que pour telle ou telle raison très rapidement après avoir fait juste un tour quoi ou deux et puis voilà ils se font recruter là-dedans quoi. Et y a aucun mec qui est gradé, aucun, c'est que des militaires du rang quoi ou très bas dans l'échelle, pas d'officier, etc. Et y a personne au niveau de la hiérarchie de la boîte en fait, pas de patron, pas d'autres services. Voilà. Ok, ils sont très très parano sur leur sécurité. D'accord. Bon, le site est assez simple, hein, voilà. Les arguments de vente, c'est on est présent sur tous les théâtres d'opération depuis deux mois.
Et voilà, nos militaires sont des gens expérimentés, tout ça, tout ça, tout ça. On travaille avec toutes les armées du monde. On escorte des VIP, on protège des intérêts, etc., etc., quoi. Voilà. Ben, je vais profiter de mes contacts à l'armée pour essayer de voir si je peux avoir plus d'infos. Ok. Mais après, fais jouer les autres aussi, hein, parce que... Ouais. Alors, la question... Du coup, le chef, Alpha, là, le plan reste le même, sauf que bah, du coup, vous prenez pas Captain, enfin, vous prenez pas... Bah ouais, du coup, oui. Moi, de toute façon, j'y vais. C'est trop important, je peux me le permettre, il faut absolument que j'y aille. Après, s'ils arrivent en retard, je ferai la transmission des informations. Bah moi, je préviens quand même que je peux pas, parce que là, oui, c'est chaud, quoi. Bah, du coup, ta secrétaire te répond que elle a retardé quelques trucs. Elle va y aller en personne avec elle et les autres commerciaux. Et pour certains, ils aimeraient que tu puisses être disponible au minimum par Skype, quoi, en gros. Et après, le mec pourra dialoguer sur le fait que voilà, t'es t'as une histoire de famille, un truc comme ça, quoi. Ouais, il peut justifier le fait qu'il est pas forcément partout, quoi. Hein. Il est peut-être sur un autre contrat autre part, puis c'est tout. Ah oui, mais si tu dis que t'es sur un autre contrat autre part, tu dis au mec qu'il est pas assez important pour venir, en fait. Commercialement, c'est pas top. Faut que t'es. Si tu justifies le fait que bah il a un problème de famille, ça se justifie, tu vois. Le mec, il va pas le prendre mal que tu mettes la famille avant le business. Oui, sauf si c'est un gros connard, quoi. Mais si tu mets un autre business avant le sien. C'est ça. C'est, tu n'es pas un client assez important pour que je fasse un effort pour toi. C'est pas le message que tu as envie de passer quand tu es en train de parler à un client. Ok, sauf si tu veux pas bosser avec lui, quoi. Mais... Non, oui, voilà. Mais chacun de tes clients doit être ta première priorité à ses yeux. Ouais. Bah ouais, écoute, moi, du coup... Je demande à Colin si c'est au fin fond de la pampa, machin, ou s'il y a de la connexion, tu vois. Alors, on va dans un bled, je leur dis le nom du bled, après, je leur décris le terroir, quoi. Après, tu peux avoir des téléphones satellites hein, qui marchent en plein désert, hein, donc... Ouais, bah écoute, je vais prendre du matos satellite pour pouvoir connecter PC, machin, et pouvoir faire un Skype. T'as tout ça, toi ? Oh, la classe ! Bah, les militaires, ils ont ça fréquemment, quoi. Mais bon, vous êtes aux États-Unis aussi, quoi. C'est pas non plus. C'est pas exceptionnel. C'est pas non plus la cordillère des Andes tout au sud du Chili, quoi, tu vois. D'accord, mais bon, c'est comme en France, hein. Il y a certains coins où. Balade dans la Creuse, il y a beaucoup d'endroits où t'as pas de réseau. Hein. Ça reste la Nouvelle-Angleterre. C'est une zone des États-Unis qui est très peuplée, donc. Des zones blanches. Il doit pas y en avoir beaucoup, je pense. Ouais, et puis c'est pas très très haut, hein, donc y a pas de plutôt plat quoi comme région, donc. Tu voulais que je te fasse combien de relations moi dans cette ville locale ? Je dirais l'oncle en question, peut-être sa meute en fait. Okay, donc on est peut-être certains, et puis éventuellement, je sais pas. En y réfléchissant, si tu veux être de Boston, tu peux l'être en fait. Mais ça veut dire que c'est peut-être le village de tes grands-parents en fait, tu vois. Ok. C'est le village d'origine de tes parents. Tes parents sont morts, maladie, machin, tout ce que tu veux. Vous êtes resté à Boston. Mais par contre, bah, les frères, alors ça peut être que le village de ta mère ou de ton père, hein, tu peux choisir, quoi. Mais du coup, voilà, vous y reveniez de temps en temps pour les vacances, et donc, voilà, t'as le frère de ton père ou de ta mère qui est présent. Mais lui, c'est pas le loup-garou de mémoire. Ah si, moi c'était l'oncle. Non ? Ah ouais, je vous avais pas dit que c'était c'était un contact de l'oncle. C'est un oncle, mais il y avait pas de nom. Ouais. Bah, tu lui avais donné la fois dernière, je crois, mais je l'ai pas noté. Sinon, je lui en ai donné un, mais par contre, tu me disais que je savais pas s'il était en vie.
Bah, si t'as des nouvelles, c'est que globalement, il doit être. Oui. De toute façon, je t'ai écrit un tout petit texte, du coup, dans mon fichier personnel. Ouais. Parce que c'est tout petit, c'est pour savoir si je t'en mettais d'autres, en fait. Mais je sais pas ouais. Exactement comment tu voulais le développer. Non, mais c'était juste pour avoir des noms, en fait, et des, éventuellement peut-être des personnalités qui peuvent être rigolotes à jouer, quoi, pour égayer un peu le truc, quoi. Après, Ok. bah, si t'as envie de mettre le maître nageur de la piscine de municipale quand t'étais en vacances, bah tu peux, quoi. Si tu penses que c'était un espèce de, une sorte de grand frère à l'époque que t'as vu et avec qui t'as rigolé, ça me va, tu vois. Être rigolo quoi, ce genre de choses. Ça s'appelle comment ton fichier parce que. Bah, c'est Colin Vortimer, 2 points perso pour Loup-Garou Boston. Oh, oui. Ouais, il me trouve pas si je fais une recherche. Ah, mais toi, c'est pas un Excel, toi. C'est un doc. Ouais. Mais bon, c'est pour ça. Ok. Ah oui, j'avais pas vu, t'avais des photos de loup et tout. C'est cool. J'avais écrit 2-3 fichiers à l'époque. Ouais, c'est cool, c'est cool. Il a bien grossi. Hein. Ok. Ok. De toute façon, je vais pas me lancer là-dedans, parce que ça va me demander un peu oui, de préparation, quoi. C'était, donc, pour plus tard. Voilà. Mais. Mais. Tac. Donc, je récapitule. Vous partez à 3 sur place, et après, il y a l'étudiant qui vous rejoint. Donc, Arnold. Oui. Ok. Sachant que je garde le contact autant que possible et je fais les réunions en ligne, tu vois. Ça marche, ça marche. Il m'avait pas l'air spécifiquement doué sur la technologie, hein, les purs MC. Bah, ils en avaient pas sur eux en tout cas. Après, ils ressemblaient plus à des punks à chiens qu'à des gens avec des masques de matos et de. Ouais. Du coup, je me suis trouvé une montre connectée, tu vois, ou un truc dans le genre où je peux. Que tu branches pas forcément sur le téléphone. C'est genre les puces, les montres de sport, trucs comme ça, qui ont des GPS intégrés, quoi. Ouais. Et bah je me crée un petit logiciel dedans, pour ça je pense que j'ai les moyens de le faire, comme j'ai de quoi pirater chez moi, quoi. Puis en fait, j'ai un truc. Le fait qu'ils transmettent une position, c'est genre lié à mon compte Google et tout ça, quoi. Comme ça, ils peuvent me localiser sur leur téléphone, quoi. C'est en te mettant en ami, tu peux partager ta position, tout ça, quoi. Tu veux que les purs te localisent? Non, mais vous. Je pense pas qu'ils pensent à m'arracher la montre, c'est la même shop. Par contre, tu vas dans les jours là qui vont arriver, le temps de finir tes examens, bah t'as tes potes en fait qui viennent te voir. Ouais. Et qui te disent que en gros, ils ont pas mal de taf quoi à faire avec toi. Hein. Ouais, ben ouais. Par contre, aujourd'hui, j'ai pas mal d'emmerdes avec les keufs en ce moment. À cause de mon truc qui a un peu foiré, pour pas avoir trop d'emmerdes, ce serait bien qu'on communique par cybercafé ou truc dans le genre. Faudrait pas leur attirer le regard des flics sur eux, tout ça, quoi. Ni de la fac éventuellement, quoi. Ouais. Donc, mais voilà, en fait, tu t'expliques que ils ont un. Ils doivent monter une opération de surveillance d'un rendez-vous. Et ils ont du matos à. Mais ils ont besoin de toi pour te connecter aux différents micros, caméras, etc. Qu'ils ont mis sur place, de lancer les enregistrements, tout ça quoi. Ah, pour la partie informatique. Bah ouais, ils ont besoin de toi pour ensuite piloter les différents caméras micros pour essayer de les orienter. Voilà, c'est le matos que t'as conçu, hein, donc. Oui, pas de soucis, ouais. Ouais. Donc voilà. Du coup, et le problème c'est que bah, l'opération, elle va se faire le soir. Alors, on considère. Si c'est après les examens, y a pas de soucis. Si c'est le soir qu'on a du temps libre, y a pas de soucis, quoi. Oui, non, y aura pas de difficultés vis-à-vis des examens. Hein, voilà. Mais par contre, ils ont un créneau et il faut pas le rater, quoi. Ah, c'est pas le truc que tu peux faire, que tu peux retarder dans le jour, quoi. C'est le truc qu'il faut, le moment T, il faut être là, quoi. Ouais, bah je leur dis, dans 2 jours, je suis plus là. Donc c'est quand? Eh ben, ce soir, demain soir? Eh ben, c'est demain soir, ouais. Ok, voilà. Ça marche.
Bah, je leur demande de m'envoyer un mail avec les coordonnées où on doit se retrouver, tout ça, quoi, sur une boîte mail qu'on a entendue, c'est genre la boîte mail de la fac ou un truc comme ça, où genre je suis sûr que les gens n'y ont pas trop accès, tu vois, parce que c'est des trucs avec des pseudos d'étudiants à la con, c'est des trucs réservés en interne, tu vois, quoi, que je peux récupérer facile. Alors, tu sais pas comment marche une boîte mail dans une fac. Hein. Oui, justement, c'est pour ça que je dis ça. Prends-moi bien, c'est pas des noms à la con. Hein. C'est généré automatiquement avec le fichier des élèves. Donc non, c'est pas des noms à la con. Ah, bon. Et pour le coup, en plus, les admin systèmes de la fac, ils ont droit, ils peuvent le lire. Hein. Donc, enfin. Ouais, bon, si j'ai juste une adresse, c'est pas grave. Ils peuvent, techniquement, bon, du coup, ils peuvent. Du coup, non. Légalement, bah, ils peuvent, c'est autre chose. Mais... On se crée un groupe sur, pas Twitter et compagnie, on va dire, sous non, mais le chat machin. Tu connais, voilà, tu connais des outils qui sont safe pour communiquer, il n'y a pas de souci. C'est évident. Mais ok, tu voilà. Tu peux, ils vont te laisser te préparer tes examens, ils vont te souhaiter des bonnes chances, mais eux, ils ont pas besoin de toi dans les premiers, dans les premières. Enfin, ils vont s'occuper de mettre les micros qui vont bien, etc. Ils peuvent le faire en avance, ça. Voilà. Et, voilà. Mais du coup, ils te disent de te préparer parce que ça risque d'être corsé, quoi. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'ils appellent corsé? Eh ben, c'est de haut vol, quoi. C'est que le criminel qui va être écouté, il a tendance à être très, très, comment dire, prudent, et il pourrait utiliser des brouilleurs, ce genre de choses, donc voilà. Ah ouais, quand même. Peut-être que tu auras à ajuster un peu tes engins à distance, quoi. Ok. Ok, bon, c'est pas la fois que je bosse avec eux, de toute façon, donc je pense qu'ils sont... Voilà. Ils sont habitués à ce genre de choses. Mais de toute façon, dans le rendez-vous, ils ont un allié. Mais voilà, s'ils peuvent ne pas mettre en danger l'allié, ça pourrait... Oui, c'est sûr. Ça pourrait être pas mal. Du coup, on va arrêter là pour ce soir, je pense. Ok. Bonsoir les gens. Voilà. Bonsoir les gens. Ouais, salut tout le monde. Pouf, pouf, pouf. Du coup, à la prochaine fois. Et puis voilà, je vais arrêter les enregistrements, tout ça, bien à vous. Au revoir.